Muldro. Oh, le 1. Après, okay. Va falloir que t'aides Bibi pour les... Posez, t'inquiète, je vous dis tout. Wouah. Ah, force à toi, mon gars. Là, soyez patient, ça se peut que ça vous dise le jeu ne répond pas ou quoi, c'est juste les mods qui sont en train de charger, ignorer, faites attendre et laissez-lui 2-3 minutes, quoi. Ah, c'est un bug des mods. Je vais choisir mon métier. Ah oui, mais toi, tu dois créer ton personnage, là, Bibi. Ouais. Alors, t'as les métiers à gauche. Ils vont te donner des bonus de compétences ou alors des fois un skill précis. Moi, je prends cambrioleur, c'est furtivité et en plus, ça permet de démarrer les voitures sans les clés. Mais je le suis déjà, donc t'es pas obligé de prendre cambrioleur, t'as vu. Prends un truc qui te parle, tu peux prendre joueur de baseball. T'as une prédisposition des points d'XP dans les armes contendantes. Passe ta souris dessus, prends un truc qui te plaît. Ah ouais, c'est vrai que maintenant, vu qu'on est plusieurs, ça serait intéressant. Parce que moi, j'ai le truc cambrioleur, tu sais, j'avais le même setup que toi. Moi aussi, ouais. Ça veut dire, ça serait intéressant d'être autre chose, en fait. T'es pas obligé, ouais. Tu veux prendre un autre métier si ça te tente, parce que moi, je pourrais démarrer toutes les voitures. Le chat voulait que je sois quoi? Pêcheur? Docteur? Moi, non, laisse-moi docteur. Vas-y, je mais j'avoue, docteur. Mécanicien, Matt, il dit, c'est une bonne idée, ça. Parce que j'ai installé v'là les modes de mécanique, comme à la Mad Max. Il y a des voitures, mais en plus, tu peux rajouter des pare-buffs, des porte-bagages, des blindages au pare-brise. Okay. Genre à la Mad Max, tu vois. Je mets quoi comme trait? Ah ouais, Mad Max. Mais attends. Les traits... ouais, vas-y, dis. Juste les trucs, parce que moi, j'avais, tu sais, Nyctalope, Oreille Fine, Surdoué, tout ça. Faut que je les enlève, faut que je mette d'autres trucs, non? Non, en vrai, ça, c'est pour toi, personnellement. C'est ton personnage à toi, ça change rien aux autres. T'as vu, moi, je te dis, maintenant, je joue plus fumeur parce que c'est trop d'entretien de devoir fumer tout le temps. Ah, merde. J'ai enlevé fumeur. Je joue sportif obligé, ça, je le garde parce que sinon, ton perso, il a aucun cardio. J'ai enlevé fumeur. Qu'est-ce que j'ai enlevé aussi? J'ai enlevé hémophobe. Tu l'as, toi, ou pas? Je crois que je l'ai, hein. Ça veut dire t'as peur du sang. Mais ça, c'est trop chiant parce que t'es tout le temps ensanglanté quand tu te bats contre des zombies. Attends, mais enlève-le. C'est moins 10? Gros, c'est du cardio de ouf, mais tu le payes cher. Moi, j'ai brave, gracieux, Nyctalope, homme de plein air, oreille fine, surdoué. Ah, mais je l'avais déjà, sportif. Tu peux enlever surdoué, c'est juste gain d'XP, moi, je l'ai enlevé. Le reste, c'est pas mal indispensable. Comme vous, en fait, c'est tout. Bah, ouais, tu devrais. Écoute, les atouts, là, t'as Nyctalope, ça te permet de mieux voir dans le noir. Ouais. Homme de plein air, tu tombes moins souvent malade, t'as pas le rhume ou quoi, la moindre pluie. Ça, c'est indispensable. Qu'est-ce qui est indispensable aussi, chat? Parce qu'après, t'es pas obligé. Comme défaut, tu peux prendre grande soif. Ça, c'est genre plus 6 ou quoi. Moi, j'ai 4 points là à dépenser. Là, je sais pas c'est quoi le meilleur truc que je pourrais mettre. Regarde ce qui te tente le plus. Il y a beaucoup. T'as grave le choix. On a un mode en plus qui rajoute plein de traits. Gracieux, les gens ils disent, Bibi, c'est tu fais moins de bruit. Les zombies, t'as gros de bon loin. Gracieux. Moi, je peux mettre 2-2. Maigre, tu peux prendre maigre aussi, Bibi, parce qu'on va juste manger de ouf comme des cochons et on sera plus maigre en 5 minutes de jeu. Art martial, plus 1, contendante courte, non. Enlève fumeur, Kamalin, ça va trop te faire chier. Bricoleur, moi j'aime bien fumeur. Parce qu'après, tu sais, t'es tout le temps stressé, ton perso il vise mal et tout, mais ça. Parce que t'as pas de clope et ça devient trop robotique de devoir fumer toutes les 5 minutes de jeu, tu vois. Briquet, cigarette. C'est pour ça que moi je t'ai dit, je l'ai enlevé, mais après, c'est comme tu veux. Ok, mais là, il me faut un plus 5, du coup. Un plus 3 et un plus 2. Mauvaise dent. Mauvaise dent, t'as mal à chaque fois que tu manges. Mais c'est tout, t'as une petite douleur pendant quelques temps, pendant que tu manges. Je l'ai pas essayé, mais j'ai failli le prendre. Myope. Non, j'ai des lunettes maintenant. Conducteur du dimanche, je conduis pas. Ah, mais non, c'est ça, plus 1. Honnêtement, c'est faute. Si tu conduis, c'est trop stressant. Enfin, c'est trop chiant. Ton perso, il va jamais plus que 30 km/h. C'est nul. Ok. Lecteur lent, en vrai, est-ce qu'on va lire des livres? Est-ce que c'est... Ah, mais... On va lire, mais j'ai mis la lecture, là, à super rapide. T'as vu, 0.1 minute, ça disait, donc 10 secondes par page. On va abuser, alors. Tu peux. Il faut mettre combien de traits bonus et de traits négatifs? En fait, faut que ça s'égalise. Faut que tu sois au moins 0. T'as la somme finale à droite. T'as écrit point à dépasser. À dépenser. Moi, j'ai mis bricoleur. Je sais pas si c'est bien, mais ça me donne plus 1 électricité, plus 1 mécanique, plus 1 couture. C'est pas mal en vrai, c'est vraiment cool. La couture, ça se perd pas très très vite. Dès qu'on peut, on va à l'apex. Quand tu montes couture niveau 2, 3, 4, tu peux commencer à renforcer les vêtements. Tu mets des morceaux de cuir et ça augmente la résistance aux morsures des zombies et tout. C'est vraiment stylé la couture. Et mécanique, comme je t'ai dit, ça t'en donne un de plus. Tu seras notre mécano de ouf. Moi, j'aimerais ça qu'on se fasse une collection des voitures à la Mad Max et tout plus tard. Mais frérot, déjà. À la base. Déjà, faudrait qu'on se retrouve. Déjà, si on fait juste. Une collection de canettes, c'est déjà bien que tu me parles de collection de voitures. On va juste mourir day one. Mais attends, là, si quelqu'un meurt, il se passe quoi? Nabil, parle ça.
Si tu meurs, tu dois recréer un nouveau perso, c'est tout. Il se passe rien, le serveur continue sans toi. Ok. Et oui, c'est vrai, d'ailleurs, j'allais te le dire, comme dit Boya, sauvegarde ton template. Comme ça, justement, si tu meurs, tu reprends juste ce template. Ah ouais, bien vu. Fais sauvegarder en bas Bibi aussi. Ah ouais, je l'avais appelé fuck injured parce que je crois qu'on commençait blessé tout le temps et après je t'avais dit ouais, tu commençais blessé. Ah mec, c'est de la merde ça. Tu commençais en sang et tout, c'était horrible. Attends, des fois, t'as un membre cassé, ça prend 2 mois de guérir avec un plâtre et tout, si merde. Kamel, monte tes trucs négatifs. Tiens, c'est monte bon. Plus haut. Peau fine, grande soif, régénération lente, hémophobe, aménique, estomac fragile, mauvaise dent, lecteur lent. Non, j'appelle Ram Mécano. Ok, c'est bon. Ah, oh, ça va être incroyable, je le sens. Non, les amis, hémophobes, ils paniquent lorsqu'ils se soignent. Bibi, tu peux prendre sourd, ça change rien, t'inquiète. Ok. Oh, le mytho. C'est vrai, ça? Ouais, c'est juste... ça change rien, au final, ton perso, il est sourd, mais toi, t'entends. T'as un casque. Non, mais je vais pas entendre les pas, c'est ça? T'entends plus rien, mon gars, ça désactive tous les effets. Bah oui, frère, c'était sûr. Je reconnais avec sa petite non, voix. Non, je rigole, mais pas. Bibi, mes conducteurs du dimanche, t'inquiète, je conduirai. À part si tu veux conduire. Il est où, conducteur du dimanche? Je le mets. Mais ah, écoute là. Un, frère, c'est ça le problème. Ouais, mais écoute rien, ça sert à rien, frère. Il coûte rien, puis il te met un limiteur de vitesse. Tu peux jamais dépasser 2 km/h, s'il te plaît. T'as dit 30 à l'heure. Oui, non, mais il faut abuser un petit peu pour pas qu'il le prenne. Je vais prendre LF conducteur. C'est plus 5 et je vais pas conduire, c'est tout. Ah, tu peux juste pas conduire. On va t'envoyer à chaque fois chercher les trucs, nous on restera dans la voiture. Après Bibi, moi je conduisais pas beaucoup dans mes games. Hein. Ouais, mais là honnêtement on va beaucoup conduire, je vous le dis. Ok. Parce que moi j'ai pas joué depuis qu'il y a le skate et tout, j'ai jamais vu de skate. Waouh, Bibi, mais bagarreur des tavernes. Depuis que t'as pas joué, le jeu il a grave buzzé, Kamel. Il est passé à 60 000 joueurs, ils ont battu leur record, t'as vu? Et du coup ça a attiré v'là les modeurs. J'ai quoi, 30 nouveaux modes là? D'installer. Après, je fais suivant. Ouais, après ça, ça va commencer. Kamel, toi, t'es prêt? Ah non, attends, j'ai pas fait mon perso depuis tout à l'heure. Sauvegarde ton build, Bibi, à la fin. Ouais, c'est bon, t'inquiète, j'ai fait. Ok. Tu peux faire suivant, ça va juste charger. La partie commence que quand tu cliques. Donc, ouais, commence à charger ta partie. Et paniquez pas si votre jeu il répond pas pendant 2 minutes là. Parce que voilà. Le jeu répond pas pendant 2 minutes, c'est un bug, mais après, c'est bon. Oh, les rouflaquettes. Giga Bebar. Barbe totale. Oh, c'est Heisenberg. Calvicie. Vas-y, je suis prêt. Je suis prêt aussi. Tranquille. Oh, dépêche-toi. Je suis en train de faire mon flow, c'est trop important. Ça, il va mourir en 20 minutes. Non, mais les saps, c'est pas sérieux. Oh, c'est un enfer. Eh les gars, il y a un truc aussi à savoir. Ouais. Le jeu, il est pas vanilla niveau difficulté. Ouais, tu l'as rendu dur, c'est ça? J'ai mis un peu la sauce. Ok. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais je crois que t'as mis la sauce de fou. J'ai entendu sur ton live. T'as non, j'ai mis un peu moins la sauce que dans ma partie, t'as vu. J'ai pas mis les sprinters, y a pas de zombies qui sprintent. Okay. Ah merde, j'ai mis suivant moi. Bah ouais, c'est bon, ça va te charger le jeu là. Okay. Et après, t'as cliqué pour commencer là, on cliquera en même temps. Genre j'ai cliqué suivant après mon perso.
Ouais, ouais, posé. Là, ça charge le jeu normalement. Ok, ouais, c'est ça. Là, j'entends la musique là. Et après, t'auras cliqué pour commencer. Kamel, tu vas mourir en premier. Non, je te dis. C'est impossible. J'avoue, ça, c'est une folle prédiction. Qui va mourir en premier? Ça peut être n'importe qui, je te jure. C'est tellement aléatoire ce jeu de merde. Frère, par contre, des fois, dès que t'ouvres une porte et qu'il y a un zombie derrière, c'est. La panique, c'est incroyable. De ouf, garde bien ton pouce sur espace, c'est tout ce que je te dis, moi. De toute façon, dès que je le croise in-game, Bibi, je lui fais un petit coaching des combats et tout, là. Y'aura même pas besoin, y'aura pas besoin. Bah, le combat, normalement, c'est tu mets espace jusqu'à ce que le mec tombe et tu mets des coups de pied dans la tête. Ah, faut que tu me dises aussi ce qu'on doit activer dans l'interface. Bibi, t'as mis suivant, t'as un écran noir avec le curseur, toi aussi? Moi, c'est pas le curseur que j'ai, c'est un truc qui tourne, mais... Kiff, kiff. C'est juste cliquer pour commencer, hein. Moi, j'ai un écran noir aussi, Kamel. Ok, ça va, alors. Ah, c'est la fin des temps. C'est bon, ça a chargé, alors. Ouais, c'est ça, t'as vu? C'est ça qui te rend des fous, toi, avec les modes, tu les as désactivés. Et du coup, la j'ai même, fait... mec, hier, j'ai passé une heure, je t'ai expliqué. Ouais, tu m'expliquais avec ton fils. Moi, j'ai fait une game vanilla, du coup. Ah, mec, tu vas voir, c'est pas la même chose, là. Ah, c'est trop nul en vanilla, je te jure, c'est trop nul. Ouais, je sais, le jeu n'a pas la même saveur. Et toi, merde, j'ai cliqué pour commencer, j'ai troll. Ah, ok, go. Non, y'a rien, on clique. Y'a rien, t'inquiète, on est là. Moi, je suis pas là. Moi, je suis dans une petite maison, une toute petite baraque pareil, là. Pareil. Moi, je suis pas là, ça a crash. Ah merde. Attends, tu peux mettre pause, Non, y'a pas de pause sur un serveur, mon gars, ça survit là. Mais. De toute façon, on n'aurait pas été au même endroit, ça change pas grand chose. Ça changera. Ah, mais voilà, je suis trop con, j'ai cliqué direct. Ouais, on attend juste qu'il relance son jeu, il a eu un crash, miskin. Attends, faut que j'aille le tuer, lui, il va foutre la merde sinon. Oh putain, il est pas tout seul. Moi, je suis dans une petite maison aussi. Ouais, genre ma toute petite rez-de-chaussée là. Ah ouais, minuscule. J'ai une bibliothèque, je vais voir ce qu'il y a. Piégeage volume 2. Je prends. Bon, le but au début, c'est de trouver un sac à dos, si je me trompe pas. Et après, trouver ouais, le début là, ce qu'on veut le plus, t'as raison, c'est un sac à dos, une petite bouteille aussi pour mettre de l'eau potable. Je sais que ça marche plus le truc. D'eau de Javel. Ouais, on m'a dit qu'il l'avait. Bah, ça marche, mais c'est beaucoup moins OP qu'avant. Genre, ça contient moins d'eau qu'avant. Avant, ça pesait 2 kilos, mais ça avait 20 litres d'eau, ça n'avait aucun sens. Il l'en nerf. Okay. Je crois que je vais faire le premier kill de la journée. Allez. Il avait pas une montre lui? J'ai eu des bottes de pluie, mais elles protègent comme des bottes militaires. 100% de protection contre les morsures et les éraflures. Je peux pas me rapprocher de sa tête. Oh putain de merde. Je suis dans la merde. Je me casse. J'ai aucune idée d'où je suis dans la map. Genre, je peux même pas te dire. Je vais essayer de te trouver. Tu sais quoi, avant toute chose, Kamel, on devrait essayer de se trouver. Ah, je vais me casser, ouais. Moi, je suis dans une ville où il y a des grands jardins quand même. Ok. C'est des maisons de riches, c'est ça? J'ai l'impression, parce que les jardins sont immenses. Moi j'appelle ça les maisons de... Ouais, parce que moi les maisons de riches, normalement c'est là où il y a les pics. Ouais, des grosses clôtures là. Ouais, non, c'est des petits jardins avec des clôtures blanches. Ouais, moi c'est des grosses clôtures marron. Ah ok, ouais, c'est ça, j'appelle ça les maisons de riches, je vois. Ouais. Tu t'en sers pour escape les zombies en passant là-bas. Tu maintiens eux, ouais. Bah pour moi c'est un des meilleurs trucs pour s'échapper. De ouf, c'est OP ça, tu peux te reposer. Bah tu passes la barrière ensuite. Et après ils oublient où t'es. Ils font pas le tour, ouais, si c'est une grande clôture. Oh, je me suis chié dessus, j'étais dans une maison. Et y avait un zombie qui a cassé la vitre. Je l'ai tué, puis y'a plein de zombies qui arrivent. Ah ouais, faut jamais genre... Oh putain. Faut jamais se poser dans ce jeu, surtout quand t'es poursuivi. What the fuck, comment il fonctionne ce vélo, trop chelou. J'ai encore un écran noir, moi. Ouais, mais ça, faut que t'attendes. Ça, faut juste attendre. C'est lent, c'est 2-3 minutes. Mais après, normalement, t'as un texte en bas et tu cliques. Ah, c'est bon. Yalla. Kamel. Ouais. Faut qu'on essaie de se trouver. Tu m'as dit les grandes clôtures. Ouais, moi, je suis grande clôture. Maison de riche. C'est des belles villas, quand même. Tu vois, c'est pas... Ah, y'a pas mal de zombies. Je connais pas si bien Muldrow, mais je vois des clôtures marron hautes, là, dont tu m'as parlé. Oh merde, j'ai raté. Oh, y'a du sang, c'est toi qui as écrasé un zombie au bord de la route? Y'a moyen. Ah ouais, merde. J'ai tiré tout le monde du coup. Frère, le vélo il va à gauche tout seul, c'est tellement mauvais.
Mais au moins j'économise de l'endurance, faut faire attention. Je... Bibi, ouais, t'es où commence, toi? Je commence, il y a déjà un zombie sur moi. Ah frère, bonne chance. C'est seulement une avec un frère, y'en a tellement. Non sérieux, là faut qu'on essaie de se retrouver hein, avant... T'es mort? T'es mort? Il s'est fait bouffer? Non, il y en a tous sur moi dès que j'ai le spawn. Il s'est fait bouffer le bonbon. Une mort, plus un. Oh, y'a un zombie mort là, c'est toi qui l'as tué? Sur la route. Sur la route, sur le bord de la route. Ouais. Mais on est peut-être pas loin l'un de l'autre. Même il y a une route cassée, c'est cassé un peu à côté. Attends, je reviens là. Mais il y a beaucoup de zombies, non? Ouais, il y a beaucoup de zombies. Ok, ouais, mais on va pas être loin. Attends, je reviens là où il y a le zombie. Je vais à la maison. Je suis un peu plus haut sur cette route. Je vais à la maison un peu en à gauche, en bas à gauche. J'ai besoin d'être dans une maison là. Tu descends toi quoi? Ouais. Ça ressemble à quoi? Moi je suis à une maison avec une clôture marron, mais je peux sauter par-dessus, t'as vu? Ouais, bah c'est pareil. C'est pas les grandes clôtures. Mais il y a des zombies qui marchent vers un endroit et j'ai l'impression qu'ils marchent vers toi. Ouais, bah, et frère, on est juste à côté l'un de l'autre, t'es où? Montre-toi, je suis au milieu de la route. Attends, frère, je suis à pied moi. Moi aussi, je suis à pied. Bah là, je suis sur là, je suis à côté du cadavre. Ouais, on a mis tous les mods. J'ai mis tous les mods de ma collection. Et il y a eu beaucoup de patchs ces derniers mois, ils ont beaucoup patché le multi. Et ils prévoient de rajouter encore plus de mises à jour et tout. Viens, je pense. T'es où? Bah là, j'ai 50 zombies derrière moi, je suis à côté du cadavre. Ah, ok. Mais à côté du cadavre, ok, mais je vois pas un zombie, je te vois toujours pas. Il y en a un autre. Ouais, on est juste pas à côté du même, hein, en fait, ouais, c'est ça. Je pense qu'on est pas au même. On est pas du tout au même endroit. Ok, tranquille, essaie de te mettre en sécurité, on va... Fausse alerte, quoi. Bah oui, je vois un autre cadavre ici. Bah oui, il y en a partout, frère. Moi, c'était à côté du même. Mais c'est parce que t'as décrit aussi des zombies qui allaient vers un endroit et je voyais les zombies aller vers un endroit. Mais des fois, ils sont juste en train de faire des hordes, en fait. Moi, je vois rien, là. C'est quoi ça? Bah, les zombies, ils nous sentent? Ils te voient, ils t'entendent. Mais toi, accroupi, Bibi. Appuie sur C, c'est obligatoire. Ouais, bah là, ils sont en train de casser la maison où je suis. Ouais, faut que tu te barres. Et en fait, Bibi, imagine, pour les kites là, imagine une ligne de vision. Tu sais, tu dois la briser entre les zombies et toi. C'est pas tant la distance et après tu perds l'aggro. Ils peuvent te suivre même à 100 mètres, ces bâtards. Par contre, si tu traverses des arbres, des murs, tu contournes des trucs, tu les perds vite. Faut que tu contournes des murs, des arbres, des obstacles ou quoi. Faut plus qu'ils te voient. C'est tout. Et comment tu sautes? Groupe électrogène ici. Et tu restes appuyé sur eux. Okay. Sur une grande clôture là, eux, ouais. J'ai un groupe électrogène, moi, faudrait que je le marque, mais j'ai pas de stylo. Ok. Ah, mais je peux. Ah, si, je peux ouvrir la fenêtre. Je pensais que c'était que cambrioleur. Je suis au bord de la map. Yes, je peux plus aller à gauche. Hein? Un peu de respiration. Mais t'as pas spawn à Muldrow, toi? Ah, si. Mais c'est pas possible. Quand tu fais. T'ouvres ta map, t'es tout au bord. Non, bah, je là, je suis parti sur la gauche, je suis tout au bord. Ah, mais non, t'as un bug, toi. C'est pas que t'es tout au bord, c'est un bug, ça. Faut que tu décoroco. Si tu vois la bordure noire, là, c'est pas le. Bah, je vois une bordure noire. Ouais, non, je vois, c'est le serveur qui c'est ton. C'est quand tu bug, toi, là, de ton côté, quand tu bug niveau connexion, quand t'as du ping, ça t'enferme dans ton chunk, en fait. Mais je vois de quoi tu parles, ouais. Bah, même moi, là, je viens d'avoir un message d'erreur. Mais c'est le serveur juste décoroco. Non, mais Bibi. Frère, les zombies, là, tu le ramines. Une capacité d'odorat ou un truc de ouf là. Je te jure que non. Voilà, j'ai pas modifié leur sens. Je crois que j'ai trouvé le quartier de riches dont tu parlais là. Je vais essayer de nous trouver une voiture moi. Même de l'eau j'ai pas, c'est la merde. C'est la mort. Ah, c'était la save qui nous a fait freeze 2 secondes là. C'était une sauvegarde, c'était pas un crash, ok. Ouais, il y avait écrit je vais en pause. Je pensais que c'était un crash mais ça a sauvegardé Eddie. Et donc pour ceux qui se demandaient la difficulté comme Pyro là, Kamel, j'ai mis 250% la population de zombies. Okay. Et ils font des groupes de des hordes de 40 zombies. Par défaut c'est jusqu'à 20. Là ils font des hordes de 40. Qu'est-ce que tu fais, c'est la... Lire des livres ça sert à quelque chose hein. Ouais mais plus faut... tard prends ouais, les volumes 1. Prends les volumes, les petits volumes, pas les volumes 5 et tout. Ouah, il y avait un mec caché dans la chambre. Crevez trop de ça, ça fait ça. Ouais. Non, y'en a une autre. Faut que je me casse. Ah, c'est la mort. Moi, j'essaie juste de reprendre mon souffle 2 secondes. Je vais sauter du deuxième étage, j'ai pas le choix. Ah non. Je suis obligé de sauter. Saute, mon gamin. Ok. J'ai rien. Oh, je suis safe. Bien joué, ça t'a rien fait. Non mais frère, c'est pas possible, je suis accroupi, je marche, wesh. Faut
qu'on se retrouve là, je te dis. Oh, il y a un vélo. À deux là. Et à trois, ça va être beaucoup plus facile. Ah, mec, avec le vélo. Ah, je te vois. Je crois que je t'ai vu. Je crois que je t'ai vu courir. C'était pas un zombie ça. J'ai vu un mec accroupi là. Ah, c'est moi. Comment on monte dans le vélo? Il veut pas. De l'autre côté, de l'autre côté, il y a un zombie qui vient sur toi là. Fais gaffe. Kamel, c'est pas une bonne idée le vélo là. Ok, vas-y, casse-moi. Il est avec moi. Mais toi, t'as une pelle et tout, wesh. Ouais, je viens de trouver une pelle. J'ai un marteau. Il y a tellement de zombies. Il faut que je me raccroupisse. Alors attends. Non mais on se barre dans la forêt à gauche là, viens, ils vont nous on va les perdre ici. Vas-y. Juste on traverse les arbres. Fais gaffe, il y a peut-être des zombies. Mets-toi accroupi. On vient ici, on va à gauche, là, on continue on à gauche. Ici, ouais. On va une maison ou deux plus loin et après ça y est. Ça fait du bruit ça, Faut qu'on trouve Bibi là. Ah, il y a une clôture en plus. Moi je suis en train de lire moi. Ouais, mais... Bibi ça y est, il a trouvé son truc, au moins il va pas mourir. Oh putain. Oh là là, attention. T'as vu la horde en bas là? J'arrive même pas à sauter. Moi je Comment ça t'arrives pas à sauter? T'es trop lourd. Mec, je galère, je suis tombé la première fois. Vite. Oh, y'a tellement de mecs. J'essaie. Y'en a à gauche aussi, y'en a à gauche aussi. Faut qu'on se barre du centre-ville, je suis à court de cardio, moi ça m'a essoufflé ça. Moi je suis KO, Ah putain de merde. Assoiffé, agité, très essoufflé. aïe. Mais en fait là le problème c'est que les clôtures elles sont ouvertes. Elles sont basses. Ouais, elles sont ouvertes, genre du coup les gens ils voient. Je descends un peu à droite, viens à droite, il y a beaucoup d'arbres et de clôtures, là on va pouvoir les perdre. Faut juste qu'on trouve une maison et qu'on se pose deux secondes, t'as vu? Mais frère, le problème c'est, je te jure, d'habitude, ils sont pas... Là, ils sont aussi vraiment... vénères. Ouais, non mais là, le moindre bruit, ils sont à vif. Mais t'inquiète, la furtivité va monter. Le problème c'est les hordes, là, je crois qu'il y en a une juste ici, je sens qu'il y en a une, j'ai vu un zombie, il doit pas être seul. Ouais, il y a une mini horde là, barre-toi. On descend, putain. Je vais vers le bas, ouais. Ouais, cette maison a l'air plutôt clean, faut qu'on accélère. Ouais, celle-là, viens par ici. Parce que, non, là où t'es passé, je crois qu'il y a des zombies qui t'ont vu. C'est bon. Est-ce que ça s'ouvre ici, tu penses? Non. Je vais check la fenêtre. Il y a un zombie à l'intérieur, il y en a deux, frère. Il y en a trois même, non? Peut-être. Il y en a trois. Ça s'ouvre pas la fenêtre, ça va faire du bruit, c'est quoi? Oh, elle est ouverte. Elle m'a tapé. J'ai réussi à ouvrir, moi. Ok, posez-moi aussi. Je rentre, Oh, il y en a un. Sors, il y en a cinq, frère, oublie. On se barre d'ici? Il y a cinq zombies dans la maison. Bah on se les fait, on est deux. Vas-y, je me fais ceux de mon côté alors. Mais juste attention, dis-moi s'il y a une autre horde qui arrive, là on se barre. Ok, je suis rentré dedans moi. Moi je suis en train de me taper dans le salon, il y a des zombies à la vitre, ouais. J'arrive pas à ouvrir. Je vous ai fait tomber. Ouais. Mort. C'est lui est mort. Je m'en occupe. Rentre, il y a un mec qui casse la porte là-bas, faut que t'ailles le buter. Il y a un autre zombie, ouais. Il sort, ah non. Il y a à l'étage, il y en a un. Ouah! Je m'occupe de lui. Je pensais qu'il était à l'étage, on dirait qu'il s'est téléporté sur toi, c'était trop bizarre. Il est tombé. Ah, il a sauté, c'est vrai qu'ils peuvent sauter. Je comprenais pas, on dirait que c'était téléporté sur mon écran. Il tape la porte. Ouais, parce qu'il a entendu un bruit derrière. Et là, il y en a un à l'étage, je vais à l'étage. Ah non, il y en a un en bas, regarde la porte là. J'ouvre et je te le laisse. Ouah! Je savais que c'était non. Elle n'a pas mordu, c'est bon. Surprise, motherfucker. Mais frère, wesh, comment ça? Ils sont 15 dans la maison, il y avait une fête ici, je crois. Je te jure. Le Kinder. Il y a une montre digitale ici, posée. Il y a Talkie Walkie aussi, il fonctionne maintenant, je crois, le VIP via le Talkie Walkie. Oh, star for law, wesh. Je te jure. Barclay, vas-y. Et lui, il a une boîte de munitions, il a un Six Hour. Ouais, balle de 9mm aussi si tu veux prendre. Ouais, mais il a une arme. Ouais, t'as pas de holster. Merde. Je peux mettre des coups de crosse avec au moins, non? Ou tu peux la mettre dans tes mains juste, mais tu pourras la mettre dans ton inventaire et la ressortir à chaque fois quoi. Mais tu peux la mettre dans tes mains et l'utiliser. Ouvre la boîte de balles de 9mm. Ok, voilà ça. Tu vas avoir les balles dans ton inventaire. Ouvrir la boîte. Et là, il a 50 balles hein, quand même. Hein. Ah ouais, bah c'est ça, une boîte c'est 50 balles. Et du coup, tu peux remplir le chargeur plusieurs fois. Mais le problème, mais on va c'est pas que tirer tout de suite. Hein. Je vois pas. Les armes font beaucoup de bruit. On dirait, On dirait, je sais pas si t'as vu le meme de FIFA là quand ils célèbrent et qu'ils ont pas de coupe. Non, j'ai pas vu, mais bah, il a rien dans les mains. Oh, c'est bon, toi. Vise pour regarde, voir. Ah oui, j'avoue, t'as les mains vides, c'est trop bizarre. Et j'ai pas c'est un bug, ça c'est pas normal. Et j'ai pas l'icône de l'arme non plus. Mais attends, mais j'avais vu de toute façon quand on était en train de looter, il y avait un gros point d'interrogation dessus. Ouais, bah c'est ça. Mais moi j'ai reconnu au nom. J'espère que c'est pas toutes les armes qui sont buggées comme ça. Casque de moto de police. Sinon, c'est un bug du serveur, on le corrigera. Mais ce qui est Bibi, ça va, t'es encore en train de lire? Non, là, c'est bon, je suis sorti là. Là, il y a des casques, il y a des casques. Il y a la veste en cuir, il y a deux vestes en cuir, maison une, ça protège de ouf, regarde. Ah, soit ta capuche, c'est pas mieux? Ça se met par-dessus, je crois. C'est en plus. Et je vois pas la veste en cuir. Attends, à droite. Ah ouais, à la droite, ok.
Oh, il y a un autre casque lourd. Toi, t'as casque de police. Moi, j'ai le casque protection, ça dit. Bah, je pense que c'est le même, la même protection. America, hein. C'est 100%, 100% à la tête, ouais. Attends, mais je l'ai pas pris, la veste en cuir. Ah si, enfilé. Bibi, il joue pas en multi à Project Zomboid, il joue en solo. Arrête, c'est posé à lire des livres aussi. Non, non mais de toute façon, on l'a pas trouvé. Non, t'inquiète, juste, on boit, on reprend notre souffle et on vient te trouver. Là, on vient de se taper contre 10 zombies, là. Non, oh, j'ai trop de flow, là. J'avance sur la route, là. Non, oh, j'ai trop... Oh, le flow. Ah, je crois qu'il y a un zombie qui est rentré ou c'est toi qui est sorti. Oh, j'ai trop de la chance, j'ai trouvé le guide d'utilisation des groupes électrogènes. Ouais, mais Belek, il y a un zombie qui est rentré, je crois. C'est rare, ça, à trouver. Il y a du bruit bizarre dans la maison, je sais pas. Ouais, j'aime pas ce bruit de bois, moi aussi. Il y a mon fils, là, qui crie baba, mais en même temps, in-game, il y a un truc qui tape sur la porte. C'est j'ai important de se laver ou pas moi. T'es pas hémophobe, hein, tu l'as pas pris. Si, j'ai hémophobe. Merde, bah, faut que tu te laves, parce que sinon, ton perso, il panique, parce que t'as du sang sur toi. Mais je dois laver tout ce que j'ai équipé sur moi, pas moi. Si, tu dois laver tous tes vêtements et toi, les deux. Ah, le problème, c'est du coup, ça donne 12 trucs à laver. C'est lent et tout à faire. US c'est pour ça que je t'avais dit, hit. Prends pas hémophobe. Ah, parce que ton perso, il est tout le temps paniqué quand t'es ensanglanté. T'es devant quoi? US Store It. Ok, attends, ouais, t'es pas loin, mec. On était juste à côté. Attends, je vais te retrouver. Toi, tu restes, Kamel. Vas-y, va le chercher. Moi, je mène la garde, t'inquiète. Posé. Alors, attends, je reprends mon souffle, par contre. Viens vers le bas, genre littéralement le bas de l'écran, tu sais. On est en bas, nous, du restaurage. Il touche. T'inquiète, t'inquiète, y a rien qui va nous arriver. Non, quand je vais vers coup, la porte, on a qu'une seule mort pour l'instant, c'est Bibi, hein. Non, mais en vrai, elle compte pas sa mort. Ouais, j'étais son premier spawn. Bah, pour la prédiction, parce que moi, il y avait des points de chaîne en jeu et tout, ça compte, mais t'as raison, c'est comme si elle comptait pas, il est mort en une seconde. Pour moi, elle compte pas. C'est vrai que ça compte pas vraiment comme une mort, mais ça compte pour la prédiction, quoi. Ouais, non, mais t'inquiète, t'inquiète. Des petites vitamines, prendre ses cachets. Je continue d'avancer vers le bas. J'ai l'impression que c'est la résidence là. J'ai d'autres barrières de maison. Écoute, nous on est dans des maisons avec des barrières brunes en bois, mais à moitié de ces gens. En vrai, on les se casse de la maison là, Nabil. J'arrive avec toi, on va le chercher, non ? Je remonte. Ah, mais attends, je suis juste à côté du restaurage là, en bas à droite du restaurage. Genre, je suis sur la route du restaurage. Je remonte. Ouais, ouais. Mais il est juste à côté de nous. En fait, il n'y a plus rien dans la maison. Juste, il vient boire et on se casse. Bah, il y a la maison en bas à droite, tu peux y aller, Kamel. J'ai déjà ouvert. Ah ouais, bah je vais aller, je vous attends les gars. Je rigole, il y a des trucs qu'on n'a pas encore regardé. Ah, Bibi. Ça serait con de louper des trucs quand même. Bah regardez, mécanique volume 1. Et piégeage, j'avais le volume 2 il me semble. Mécanique volume 1, c'est de la frappe non Nabil? Ou j'en ouais, ai pas de besoin ouf, surtout pour toi. Mais toi t'en as pas besoin, t'es déjà niveau 5 en mécanique je crois non? Ah, couture et agriculture. Et toi il te faut direct le volume 3 de la mécanique. Attends, c'est où que je regarde mon... Ah ça doit être là. Si on est essoufflé, on continue de marcher, ça peut nous... Tu vas être de plus en plus lent jusqu'à être à bout de souffle, après tu es limité à marcher, donc commence à faire très gaffe. Je suis mécanique niveau 4. Bientôt, quoi. Je suis mécanique niveau 4, clique droit, ça mais couture niveau 1 et j'ai le volume 2 de la couture, je vais lire. Non, tu dois lire le couture volume 1 parce que ça booste le niveau 1 et 2. Ah, mais là j'ai le niveau 2. Je peux lire, non? Non, tu pourras pas, ça te dit c'est que pour le niveau 3 et 4. Bibi, j'ai tourné en rond là un peu, je t'avoue, entre la maison et le US Storage, t'es où toi? J'arrive, j'étais essoufflé, du coup je me suis assis. Ouais, ouais, pas de stress, je me demandais juste si je t'avais perdu ou quoi, parce que gars, je suis revenu à la maison finalement. Mes amis, le crâne est ressorti là, dehors. Là, je suis devant le store, il y a tellement de zombies. Écoute, suis la route à droite, hein. Et après, attends, descends direct de baseball, à la première à gauche. T'as mis des zombies non, bah, je suis supposé te voir. Ah, c'est bon, je crois que je vois des zombies bouger là où t'es. Putain, hémophobe, c'est trop de la merde. Oh, je mets des barbelés derrière sur ma boîte de baseball. Je vois des zombies courir là où t'es, Bibi. Première à gauche, hein. Non, mais reviens. J'ai dit première à gauche, je voulais dire première à droite. Mais allez, my bad, c'est ma gauche. Je suis pas encore. Là, j'y suis, là. Oh, là, je suis à l'intersection, là. Je suis au stop. Mais le truc, c'est que je suis essoufflé, mais je sais pas. Et du coup, comment... je vais à droite pour le. Là, il y a une voiture. Ah, mais c'est ça orange. Que t'appelles le US Storage, toi. C'est de ce côté-là de la route. Moi, je le voyais de l'autre côté, en fait. On est vraiment pas loin. Je remonte vers le haut, du coup. Là, je remonte vers le haut. Non, je suis en bas à gauche de toi, moi. Je vois des zombies aller vers toi, je crois. J'ai des outils de fou là, ici. Là, on course. J'ai des outils de jardinage. Ouais, je suis derrière les zombies qui te courent et je suis essoufflé. Kamel, il fait passion jardin et tout. Pendant ce temps-là, nous, on meurt. Mais j'ai l'impression de marcher sur tes pas, là, non? Ah mais les gars, c'est bon, vous m'avez dit, vous avez pas ouais, besoin de mon ouf. Ouais, mais attends, non, mais j'essaie de retrouver Bibi, mais je l'ai mal guidé, c'est ma faute. C'est parce qu'en fait, on regardait pas la même plaque du même US Storage. Là, il y a regardé d'un côté un dinosaure. J'étais à non, la mais télé. Reviens sur tes pas, reviens au US Storage parce que j'y suis là. Ouais, mais il y a trop de zombies là.
Contourne-les, fais large. Les gars, je vais. Y a fais un steak haché. Quelqu'un veut une omelette? J'ai des œufs. Fais prépare, commence à cuisiner. Ça, rends-toi utile. Mets les steaks dans le four. On arrive. Attends, je peux vraiment faire ça? Je te jure, tu allumes le four, clique dessus. Ah ouais, hop. Et mets les steaks dedans. Okay, vas-y. Tu sais quoi, je vais allumer le four. Je vais faire exploser la maison. Y'a qu'un seul steak par contre, les gars. Je vais pas mentir. Là, je reviens. Putain, on va se partager. Tu peux manger la moitié, un quart, un tiers et tout là. Mais comment je fais pour mettre dedans? Je suis trop essoufflé. Glisse-le comme dans un inventaire. Comme dans un inventaire. Ah ouais, ok, je le glisse dedans. Et là, j'ai allumé le four. Là, il y a une gamelle. Je peux pas. Marmite de soupe pré-crue. Il est juste là, Bibi, normalement. Dinguerie, je suis en train de faire un steak pour mon équipe de jeu. Un steak Project Zomboid, only in Project Zomboid. Merde. Ah, je te attends, vois, c'est bon. J'ai pris la marmite là. Bah, je suis trop con, moi. Tu me vois? Moi, je te vois. Ouais, continue. Oh, le gros lâche, t'as fait une marmite entière. Tu l'as mangé en entier. Psartic. Il avait faim, l'ancien. Je suis là, Bibi, c'est moi ça. Mais attends, te retourne pas, je suis en face. Là. Ah, c'est tout. Voilà, je sais pas, mais je crois que tu parlais devant moi. Vous êtes sur Bibi, là? Ah ouais. Les gars, à côté. Il y a un steak haché pour Bibi Miskin, il est pour son malheur. On y va. Juste un ouvre-boîte et après on essaie game parce qu'il y a full conserve ici. De ouf. Après, vous avez commencé maigre vous ou pas? Moi aussi, maintenant que j'y pense. Hein. Ouais, je suis maigre. Moi, je pense pas que j'ai commencé. Ouais, faut qu'on remplisse le bide comme Jaja. Moi, j'ai pas maigre, je crois. Je pense pas. Hein. C'était quoi ce bruit? C'est un screamer de zombie quand tu croises comme ça à la rage. Ah ouais, là j'ai la douleur de quand je mange. Ah, tes dents pourries là? Ouais, à cause de mes dents. T'es à la même maison ou t'es descendu? Non, je suis à la maison juste en bas, celle que t'as ouvert. Ouais, celle-là là. Oh, alors. Bibi, j'ai une guitare. Pas celle-là, Bibi, en bas. Dégâts la guitare. Et en plus, tu peux mettre à deux mains. Je me suis blessé, putain. Mais j'ai peur que quand tu. Je me suis blessé là en mangeant par la clôture. Oh, sac de randonnée. Ah, lourd. Je vais déchirer mon débardeur. J'ai une guitare là, team, si vous voulez. Hein. Apparemment, tu sais c'est vraiment fort. Non, mais c'est une arme de mêlée. Pour déglinguer les ennemis, ouais. Prendre à deux mains. Mais j'ai peur que si tu tapes avec la guitare, ça fait un son en mode dring et du coup ça attire les zombies. Bonne question, ça, bonne remarque. Yo, Bibi, j'y pense là. Ouais. Kamel, peut-être aussi, il fait échappe option. Merde. Échappe option. Attends. Ensuite, les gars, le four. Ah merde, oui. Tu sais que ça peut causer un incendie, ça, si tu crames un truc. Steak brûlé, ah, putain, merde. J'ai brûlé. Bibi, ouais, t'as préparé ton steak, il est dans le four. Zombie en bas. Mais Bibi, doucement la porte, wesh. Arrête de faire du bruit. C'est pas moi, frère, c'est pas moi. C'est pas Bibi, il est avec moi à côté du four là. C'est un ouf, lui. Ah, mais non, je le voyais spammer sur la porte. Je suis en train de manger, moi. Ah, ok. Ça a des signes, ça veut dire. Du coup. Mais ouais, attends, je vais te faire faire l'option. Échappe, option, t'es dans affichage. Descends un peu là. Ouais, attends, échappe, ouais, option, affichage. Descends dans caméra déjà. Est-ce que t'as tous les zooms d'activer jusqu'à 250%? Descends un peu. Non, jusqu'à là caméra. C'est activé. Là. Moi j'ai que active 200%. Tous les zooms. Ok, faut tout ouais, c'est bon. Okay. Mais 225-250, ça peut être utile même si t'es pas souvent là. Y a d'autres trucs. Déplacement de la caméra lors de la visée et caméra panoramique lors de la conduite. Deux options en bas là. Activé. Dans caméra les deux toujours. Les deux activés, ouais. Et le plus important, ça va être. Attends, je vais la retrouver. C'est toujours dans affichage. Hein. C'est peut-être dans accessibilité. Non, mais imaginez le chat, si là on était trois, et il y a encore cinq autres groupes de trois qui sont dans le même délire. Oh, c'est une folie. Dans la même map. Tu dois faire gaffe. C'est remonté à tout le dans monde. Affichage là, tout en haut. Toujours ouais. Dans les options affichage. La deuxième, c'est curseur. Et afficher t'as... le curseur de la souris? Non, démarcation de la visée, c'est juste avant. Ouais, tu toutes fais les toutes armes. Les armes. Ouais, okay, ouais. Si tu fais toutes les armes, maintenant en visant arme corps à corps, n'importe quoi comme ça quand t'es en joue. Ah ouais, je attends, l'ennemi va être encerclé quoi. J'ai 10% sur visibilité du curseur de visée isométrique, c'est bien. C'est quoi ça? Attends, je vérifie combien j'ai moi. Wow. Ouais, moi aussi c'est sur 10%. Et après le truc d'après, c'est pas coché. Si, c'est coché, afficher le curseur de la souris lors de la visée. Okay. Parce que je veux savoir où est mon curseur moi. Okay. Si tu l'affiches pas, c'est plus beau. Mais vas-y, je vais voir ma souris. Comme ça, je sais où je vise. Okay. Moi j'ai une jupe. Et un corset, les gars, si ça vous dérange pas. Moi je suis yimbe de fou, les gars. Moi, je suis équipé comme un fou. J'ai sac à dos. Bibi, j'ai vu un soutif disparaître. Est-ce que... Ah non, tu l'as pas mis, il est là. Tu sais. Attends, comment on met dans son inventaire dans 1, 2, 3, là? Je peux pas... Ça, en fait, les armes courtes, clic droit dessus, attaché à la ceinture côté droit, côté gauche. Ah. Et mettre dans le dos, c'est le raccourci 1.
mettre dans le dos, c'est que les trucs longs, genre la guitare, une arme à deux mains, quoi. Il est 18h, on a raté l'émission de 18h, Zabi. Mais viens, viens, des fois on l'a en rediff. Ah ouais? Je te jure, ça te la trigger comme si c'était l'heure de la regarder. Des fois ça marche. Mais peut-être pas sur un serveur en multi. Non, y'a aucune émission là, j'ai mis la chaîne. Trop tard. Putain, moi je suis en train de mourir de soif. Bah en haut y'a des lavabos si tu veux. Hein? Pas encore le club lecture, mais on fera des club lecture, je te jure, mais pas tout de suite. Là faut trouver plein d'autres trucs avant la lecture. Moi j'ai plein de livres, hein. J'ai mes piégeages. J'ai volume 2, 3, 4. Mécanique volume 1, cuisine volume 3, couture volume 2 et agriculture volume 3. Propre. Ouais, je bibule, tu ressembles à un zombie, ouais. Je vais poser lire un moment. Bibi, mets sur ta guitare équipée à deux mains. Il y a des vitamines, je les prends. Hop. Des vitamines, c'est juste quand t'es fatigué, ça donne un petit boost d'énergie, mais c'est vraiment pas ouf. Pièce électronique, c'est bien ça, non? Pour les crafts avancés, en vrai, je les ai jamais utilisés, moi. C'est plus tard quand t'as une base et tu fais des trucs de ouf. J'ai un téléphone sans fil, ça sert à quoi? Ça, c'est pour faire des bombes télécommandées, des beepers et tout, là, pour faire des pièges à zombies. Kamel, vas-y, frère, je veux juste, regarde ma veste. J'ai raté un steak. Ah non, steak ça, haché. C'est Bibi, putain. Non, c'est bon, regarde. J'ai raté pas. Un steak haché. Je peux pas, moi, je peux pas. T'es où? Kamel, regarde ma veste. Oh, elle est stylée, hein. C'est une jupe et une veste. Tu vas voir ce qu'il y a sous ma veste ou pas? Mais de dos, on dirait une veste, un long manteau. T'as Arsène Wenger. Ah ouais, mais tu vois ce qu'il y a en dessous. Une chemise, un t-shirt, pardon. Tu vas voir ce qu'il y a sous le t-shirt. Non, ça ira. attends, je vais te montrer quand même. Il est fier de lui. T'as un pistolet, t'as pas déclaré. Non, c'est un marteau. Je dis, il me fait des cachotteries. Ok. Bah vas-y, on se casse d'ici, non, il y a plus rien. Ouais, c'est bon. Buvez juste de l'eau, vite fait avant de partir, parce qu'on a grande soif tous les trois et ça va vite. Il nous faut des bouteilles vides et les remplir d'eau potable. Vous trouvez des sacs à dos aussi parce que... Moi je gâche pas, je bois beaucoup. De toute façon, à bout d'un moment, il y aura plus d'eau. Hein. Ouais, l'eau courante va être coupée. Après, il y a un stock de robinets partout. Après, j'ai chaud là, moi. Ouais, c'est pas grave. Pour ça, il faut qu'on ait des bouteilles d'eau. Ton perso, il boit automatiquement dedans. Tu te déshydrates plus vite, mais au moins, t'as une bouteille d'eau. Je vais manger de la mayonnaise, c'est frais. Get la cabane là-bas, là. Bah justement, tu viens de me rappeler, il y a un groupe électrogène dedans. Mais on peut pas le prendre encore. Il est trop lourd, c'est 40 kilos. T'as vu? La porte est ouverte, sinon. Oh, il y a une pelle. Il y a des munitions. Vas-y les gars. Ah, vous vous foutez? On s'en fout, moi j'ai ma batte de baseball, j'ai besoin de rien d'autre. Toi t'as un sac à dos, t'es bien. Là, objectif, trouver un véhicule et de l'essence, mais aussi juste avant des bouteilles d'eau en vrai, parce que sinon on va mourir de soif avant de mourir de quoi que ce soit. Du coup venez, on fouille un peu les maisons et tout. Vas-y. On sait pas, on fait plusieurs maisons en même temps ou... Ouais, de ouf. Après, si c'est la merde, appeler à l'aide quoi, on se regroupe. Vas-y, moi je vais vers le bas. Mais j'avoue, on peut se séparer. Non, vers le haut en fait. Je vais prendre un bol vide, si vous en trouvez, prenez ça aussi, ça se remplit, ça se garde dans l'inventaire, ça fonctionne comme une bouteille d'eau, ça t'hydrate automatiquement. Oh, la maison d'en haut, elle a l'air habitée de baisers. Ah, Bibi, je suis trop heureux, il y a Bibi à côté de moi, il attire tous les zombies. Mais je crois qu'il revient sur moi, là. Ouais, poté, il m'a pas vu, moi. Faut que je te passe des trucs, Kamel, moi je suis grave encombré. Ouais, il y a plein de zombies à l'intérieur, rentre pas. Ah ouais? Ouais, rentre pas. Mais mec, c'est peut-être une maison, tu sais... Dans le jeu, t'as des maisons qui sont... Ah, mais je vois rien à l'intérieur. Dans le jeu, t'as des maisons... Barricadées, là, les maisons de ouais, survivants. Ouais, hein. C'est ça. Ouais. Et dedans, il y a du stuff de loco. Mais tu sais que ça a été nerf, ça, Kamel, malheureusement. C'est plus comme avant. Avant, t'avais 25 armes à feu, 1000 munitions et tout. Maintenant, c'est plus du tout comme ça. Ouais, avant, t'avais tout dedans. Maintenant, tu peux... T'es chanceux si tu trouves une ou deux armes à feu, la vérité. Mais... Des fois, tu peux trouver des trucs de ouf, quand même. C'est juste beaucoup, beaucoup plus rare. De toute façon, il y a juste à faire un commissariat et c'est réglé, hein. De ouf. Oh, il y a une armurerie, mon gars, où j'aimerais c'est quoi, aller. Ça quoi? Ah, mais c'est une maison que vous avez fait, c'est sûr. Il y a plein de zombies morts dans une maison. Ah ouais, c'est celle-là. Dis-toi, ils étaient tous dedans. Ah bah... Allez, c'est l'heure de mourir, les gars. Tu fais quoi? Je fais la maison où Bibi l'a dit, il y avait plein de zombies. Non, mais j'en ai vu aucun dedans. Mais pourquoi tu me dis qu'il y a plein de zombies? Ils sont morts. Je voulais la faire et j'ai pas réussi à rentrer. Oh, cuisine volume 1 et volume 2. Lourd. Très, très bon, et j'ai ça, volume j'adore. 3, moi, j'ai les 3 volumes. C'est incroyable. J'ai une checklist de zombies, c'est quoi ça?
Ah, ça, c'est avec un mod. En fait, ça s'appelle Authentic Zombie. Et du coup, il y a plein de zombies qui ont des skins uniques. Lila, clique droit, regardez la carte. En fait, c'est une carte parce que maintenant, les cartes, c'est des bouts de papier. Et tu peux écrire dessus, Kamel, avec un stylo et tout. Faut juste le looter. Voilà, et donc, dès que tu croises un zombie, tu coches la liste. C'est un Pokédex. Exactement, un zombie dex. Mais ça sert à rien au final. Ça sert absolument à rien, c'est juste pour ton plaisir personnel. Ah ouais, mais frère, moi déjà mon plaisir personnel c'est de survivre. Mais le mod il fait pas ça, t'as vu, le mod il rajoute juste des skins de zombies, ça c'est bouteille. Un plus. Ok. Ah lourd, vide là ou alors s'il y a... Bouteille d'eau J'ai une bouteille d'eau et une bouteille de soda. Bol, t'as dit, il faut garder. Hein. Qu'est-ce qu'il faut garder? Moi j'ai des tasses et des bols. Wesh. Bah juste un bol dans ton inventaire, ça t'hydrate comme une bouteille. T'es pas obligé d'en garder 12 là, juste un. Ok. En attendant de trouver une bouteille, moi j'ai un bol d'eau, tu sais. Ça hydrate bien. Pareil. En plus, je bois perma. Ok, on va rentrer ici. Là, faire gaffe. Au moment où il y a des zombax, il y a rien. On va check l'infirmerie. Bandage anti-douleur, ça c'est game. Ouh, j'ai v'là les magazines dans cette maison de tuning là. Mad Max. Il faut des magazines pour chaque véhicule si tu veux le tuner. Il y a un camion, il y a une Jeep. Oh, sac de randonnée sur moi, veste longue en cuir. Lourd. Et un sac banane, ça je le prends. Mets-le devant ou derrière, tu peux choisir. Je mets devant à l'ancienne, les bananes Lacoste, je m'en souviens. Bon. J'ai mis devant aussi, ouais. Bah, quelqu'un vient sur moi, je suis à la maison juste au-dessus de la tienne, Nabil. Ok. Enfin, juste à gauche plutôt. En plus, je suis grave encombré. Est-ce que c'est la toute petite maison? Non, elle est un peu grande. Enfin, je pense que c'est plus haut, quoi. Ok. C'était juste celle à gauche. Ouais. Plus haut à gauche, quoi. Ouais. Je vais pas te rater normalement. Bon, j'ai tout vérifié. Il y a plus rien qui m'intéresse. J'ai eu pas mal de livres. Ouais, comme ça. Moi, des fois, je la porte comme ça. Ouais, comment il tank? Il a pris 115. Il est pas mort. Oh. Je suis pas sûr que je suis dans ta maison. Ah merde, là. Y avait l'ouvre-boîte. Non, moi y a des vitres cassées et tout. Vas-y, je vais tuer quelques zombies en balle. Parce que je suis remonté une maison à gauche, une maison en haut, je te trouve pas, attends. On est peut-être pas allé au même endroit, c'est pour ça. En fait, juste à gauche de ta maison, c'est vraiment elle est collée, hein. Parce que juste à gauche de ma maison, c'est la petite cabane de bois là. Ah mais peut-être que j'ai dit ouais j'ai... on est pas je suis pas là où tu penses que allez je suis mec, je pense t'as besoin ça. D'aide. Merde c'est lui. Ouh j'ai eu très bien joué. T'as fait la maison là juste à gauche? Ouais je l'ai faite. Ok bah au pire toi prends le sac à randonnée. Ouais prends le sac c'est bon. On se retrouvera après. Là je suis en train de baiser ma boîte de baseball. Il est où c'est il est où? Là dans la maison que je viens de faire là juste à droite. Et accroupis-toi s'il te plaît, arrête de courir comme ça. Ouais, toujours accroupi, même si tu veux jogger, jog accroupi, t'es plus discret. Kamel, mets ton bol d'eau dans ton inventaire, pas dans ton sac. Ton perso il boit, mais pas dans ton sac, il boit dans ton inventaire. Merci. America, fuck yeah. On va ouvrir la fenêtre. Non, ça va, les mises à jour du jeu cassent rarement les mods, honnêtement. Des fois, les mods ont besoin d'un peu d'entretien, de mise à jour. T'as menuiserie niveau 1 ou pas, Kamel? Dans mes livres, tu veux dire? Ouais, ou je le prends. J'ai menuiserie volume 4, non, j'ai pas de volume 1. Je prends volume 1, lourd. Là, j'ai plein de plaques de métal, barres de métal. Oh, marteau à panne ronde, ça peut servir, ça sert pour casser les portes. À déglinguer une porte, ça, ouais. Ouais, démonter, je l'ai fait, leur quoi. Fil électrique, je sais pas si j'en ai besoin. Prendre, j'ai un siège. Vélo type sport, je sais pas ce que ça change. Sûrement pour pimper un vélo, la vérité, hein. Je connaissais pas. Bibi, t'as fait la maison là, juste à gauche d'où j'étais? Ouais. Bidon d'essence, on en a pas besoin pour l'instant. Bah, moi je trouve les bidons d'essence. Ah si, mec, de ouf, si, le bidon d'essence c'est super important. Trop cool que tu l'aies dit et comme ça là. Ouais, prends. Parce que ça, en gros, vide, on peut siphonner vide. De l'essence. Il est mais vide. Justement, ah, okay. C'est pas grave. Ah, okay, ouais, c'est la seule okay, façon okay, de siphonner. Ok, vas-y, il y en a deux. C'est hein. Trop bien. Bien vu le chat. Prends les deux, c'est encore mieux, ouais. Ah, fais pas être comme ça, frère. Mec, j'ai failli me faire croquer en même temps que t'as crié pour moi là. Putain. Mais c'est un malade lui, il avance tout doucement mais comme ça dans mon dos. Mais j'ai failli me faire bouffer en même temps. Tu l'as fait cette maison ou pas, Bibi? Ouais, j'ai fait. Ouais, j'ai fait. Ouais, je l'ai faite. Je vais faire celle d'en haut là. Oh les gants en cuir, c'est tellement rare, mais ça protège les mains des morsures et des égratignures.
Tu l'as fait du coup celle-là, je fais celle d'après, vas-y. Ouais, parce qu'il y a un zombie là-bas. Mais tu peux le tuer, frère, t'es une pelle. Ouais. J'ai pas réussi à où, j'arrive pas à ouvrir. Oh la vie de ma mère. Casse-toi, s'il te plaît. Regarde pas derrière. Juste escalade. Mourrez pas, mourrez pas, vous êtes trop bien parti pour mourir là. Non, non, il y avait une horde de malades. Moi je me casse, hein. Ils sont derrière toi encore. Il y en a qu'un, non? Ah, ça va, ils sont loin, sa mère. Au niveau du sapin. Il n'y a pas de finalité pour ceux qui se demandent. Il n'y a pas de fin au jeu. La seule fin, c'est ta mort. Du coup, tu peux jouer pendant 80 heures sur une game ou 80 minutes ou 80 secondes. Mais tu t'es fait croquer, la bibi, où j'ai rêvé. Bah non. Non. Bah non. Frérot, fais voir ton épaule, s'il te plaît, wesh. Arrête, c'est peut-être une des 5. Mais j'ai entendu un bon. Je suis en santé, je suis à 100%. Non, mais en haut à droite, il n'y a pas. J'ai rien. J'ai rien, rien. Vas-y, rentre et après ferme les rideaux. Comment on rentre? Reste appuyé sur eux, wesh. Attends, je peux pas là, je peux pas. J'ai tous les modes, ouais. J'ai tiré tout le monde, j'ai une canne, frère. Vous êtes loin de là où on était ou pas, les gars? Non, on peut revenir en 2-2. Parce qu'il y a des grosses clôtures. Attention, que vous pouvez bébé, sauter. Wesh. Ah, je peux sauter la giga clôture là. Ah, merde. C'est pas sûr que t'es mort. Mais c'est toi, H, appuie sur H et regarde. Ça te dit quoi? Égratigné, modéré, saignement. Ok, bah faut que tu te fasses un bandage, déchire ton t-shirt ou quoi. Faut que tu fasses clic droit dessus, déchirer tes chaussettes, n'importe quoi. Et après, dans ce même menu H, tu pourras faire clic droit sur ta blessure, bander. Et là, tu vas bander ta blessure. Bâtard, voilà, il vient, il me nique mes maisons et après. Mais, frère, et après, il se fait croquer après. Et il le remet sur moi, ce chien. Moi, tu sais, je suis où? Je suis à la maison, on a tué les 5 zombies là à l'intérieur. Ah, les 5, les 10 zombies. Fini, bibi. Après, il y a une chance que tu sois pas. Blessure sévère. Oh, bizarre de fou. Blessure bandée. Légère blessure, il y a écrit. Non, mais en vrai, c'est s'il y a écrit nauséeux après, ça veut dire qu'il est infecté. Je le dis cache pistache. Il y a un zombie ici. Les gars, pourquoi je vois rien là? T'es où toi? T'es passé où? Ah, t'inquiète, j'arrive, frérot. Je suis, bah, loin, dis-moi, wesh. Je suis revenu à la maison du début et je suis parti faire d'autres maisons. Ah, mais tout est ouvert ici. Wesh. Pas mal. Déjà, comment tu vois? T'es où, Kamel? Je reviens à la maison là, attends. Pas de soucis. Ah ouais, faut que je bois. Mais là, j'ai chaud de ouf. Par contre, on s'en fout de la chaleur. Non, ça, c'est juste que ça va épuiser ton eau plus vite, quoi. Je sais que c'est chiant, mais c'est le prix de la protection en été. Qu'est-ce qu'il y a, Bibi? Je sais plus d'où on vient. Ouais, t'es parti où? En bas à droite, en haut à gauche? Faut juste que tu partes à l'opposé, en vrai, hein. T'as même pas une idée vague. En fait, ouvre ta map, appuie sur M maintenant que j'y pense. Ah si, c'est bon, je sais, c'est par là. Regarde juste ta map. Regarde, cette maison, on l'a fait? Ah bah oui. Eh, hey, t'es rentré? Je suis là, hein. J'ai entendu la porte s'ouvrir, là, c'est pas un zombie, ça. Non, fuck, c'est moi, j'ai fermé la porte, justement. Mais attends, y'a une porte qui vient de s'ouvrir à côté de moi, je suis pas fou. Moi, je suis dans la maison avec tous les cadavres, je vois personne. Hein. Non, je sais pas c'est quelle maison ça. Kamel, quand tu vois la maison où t'as laissé le sac. Ouais. Faut aller vers le bas. Ouais. Ok, c'est bon. Mais je crois, Bibi, il est bien là. Hein. Enfin, il est bien, il est pas mort quoi. Il s'est juste fait gratiner, c'est 25% de chance de se faire zombifier, je crois. On va le savoir bientôt. Bibi, si on est à droite, tu vois que t'as la nausée, dis-le nous. Comme ça, on t'exécute. Dinguerie ce que tu dis. Moi je te tuerai pas, Bibi, même si t'es un zombifié. C'est toi qui cours à côté là. Ah ouais, c'est bon, y'a Bibi. Bibi et moi, on est bon. On est à la cuisse. Ouais, y'a un mec sur moi, y'a un mec sur moi. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est un guetteur zombie, frère. Oh putain, j'ai attiré une horde, moi.
Ils ont cassé une vitre. Voilà, ah, c'est le robinet qui fait ce bruit que j'ai pris pour un bruit de porte. Je sors de cette maison, moi, je me barre. Hein. Je suis parti dans la maison d'à côté. Mais là, si je saute, je vais me péter la jambe, non? C'est la nuit qui est terrifiante, là, c'est ça, c'est la nuit le problème. Là, si je saute, je me pète une jambe, non? Le problème, c'est que la maison, elle est blindée, là. Je peux désinfecter si j'ai des trucs de... pour désinfecter? Moi, j'ai des trucs anti-douleur et tout. Oui, mais faudrait qu'on enlève ton bandage. Et que t'en remettes un autre propre après quoi. Moi j'ai un bandage. Là, c'est mieux. Mais c'est pas indispensable pour une égratignure. Hein. Y a très peu de chances qu'elle s'infecte ou voire quasiment pas. C'est plus les blessures profondes qu'il faut désinfecter. Moi je suis de retour à nos maisons. La première maison où on était, Kamel, et celle juste en bas, tu sais. C'est pas là, frère. C'est Belek dedans, c'est blindé. Hein. Ouais, t'es où par rapport à ça? Bah, je suis dans la maison à l'étage et j'attends pour traiter de la fenêtre. Ah, ok. T'es dans cette maison à l'étage. Moi, je vais à celle en bas à droite alors. Vas-y, vas-y. Mais si je saute de l'étage là, je me pète la jambe ou pas? Y'a des chances, y'a des chances. J'ai jamais essayé, la vérité. Non, ouais, j'ai rien, frère, normalement. Je désinfecte que quand ça s'infecte. Aucune prévention. Même ça marche. Regardez, y'a un zombie juste devant. Ah, il bouge. Mais tout à l'heure, c'était pas le même étage, les gars. Allez, sa mère, on y va. Rien. Mais je suis un athlète, en fait. La maison d'en bas, elle est zombifiée, c'est mort, on peut pas y aller. Là où il y avait la cabane? Ouais, là où il y avait la cabane. Je suis à la cabane, là. Ah, je veux dire, il y a des zombies à l'intérieur, quoi. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Et on va où, du coup? Je suis à la maison en bas, je t'attends. Comme mais ça, on se regroupe, mais après, on se bat. Ah, je te voyais pas, putain, moi je fuis du zombie, ok, lourd. Je suis là, moi. Ah non! Bah, on saute la clôture ici, venez, on peut sauter. Elle est où déjà la clôture ici? Elle est plus loin là-haut ou quoi? Putain, le problème, moi, c'est que je peux pas sauter. Je suis trop encombré, ça me blesse. Je fais le tour. Désolé, hein, mais je suis trop encombré. Je peux te lâcher des livres, tu les prends, Kamel. Bah, attends, saute, tu veux pas sauter la clôture d'abord? Parce que si je saute, je suis blessé. Je suis encombré. Vas-y, jette. Tiens ça. Et ça. couvre-moi. Je te couvre. Parce que si je saute en étant encombré, j'arrête pas de me blesser. Je me suis blessé deux fois déjà. Bibi, fais pas être comme ça. Ok, mais là le problème c'est que pêche volume 1 là, j'ai plus de passe. Ah, mais je l'ai déjà en fait. Laisse-le là alors. J'ai 50 livres dans mon truc là. Ah, il faut, c'est du savoir. On va trouver une voiture, t'as trouvé deux jerrycans. Oh putain. Je l'avais pas vu lui. Bon frère. Attends, je te couvre de la pluie. Sur moi. Non. Oh putain. Non mais dis pas, je te refais mordre. J'ai entendu, il s'est fait croquer. Vous avez des vêtements ou pas? Croquer, il était derrière moi, je l'ai pas vu. Il a un bandage, Kamel. J'ai un bandage. Mais tombe frère. Fais gaffe, il y en a un autre. Bon, la vie de ma mère. Le problème c'est que là on attire toute la ville, les gars. Ouais, va falloir qu'on aille se mettre à l'abri là. Sautez la clôture. Début, barrez-vous. Jette le truc, s'il te plaît. Vas-y, c'est bon, je vous couvre, j'ai eu les zombies. Attends. Je vous éclaire. J'ai un bandage et anti-douleur au cas où. Prends tout. Comment je fais pour prendre? Ah, c'est là. Ouais. Cliquez, glisser, on dirait Windows le jeu, t'inquiète. Les fenêtres, tu peux cliquer, glisser, CTRL, SHIFT, ouais, tous les raccourcis fonctionnent. Bandage sale, il m'en faut. Non, il m'en faut d'autres. T'as des vêtements que je peux déchirer? Attends, je vais voir. J'ai des chaussettes. Elles puent un peu, mais tiens. Je te drop du tissu déchiré. C'est que moi, je suis full de chez full, hein. C'est bon. Dès qu'on trouve une voiture, on charge tous tes livres dedans, Kamel. Moi, j'ai juste blessure critique, c'est tu tout. Tu me passerais un jerrycan, moi, je peux le prendre en main secondaire. Ouais, je peux. Mais dis pas, je les ai jetés juste pour. Non, c'est bon. Du coup, la deuxième blessure, c'était aussi égratignure ou bien mordu? Je le mets par terre. Bibi, dis la vérité, Bibi. Est-ce que t'as été mordu, Bibi? Il y avait écrit infecté dans main gauche. Ouais, non, mais il y avait écrit. Non, il y avait écrit autre chose, Bibi. Infecté et quoi d'autre? Bah, je sais pas, attends, j'enlève le bandage. Infecté n'est jamais seul. Je t'ai dit. Enlève pas le bandage. Il y a écrit mordu, saignement, infecté. Inspection médicale? Mais t'inquiète, c'est infecté, mais c'est pas infecté, Zarma Zombie.
C'est en mode, tu sais, c'est comme quand tu te... tu sais, IRL, on peut dire qu'il a raison, un bandage. Ça, par contre. Il a raison, il faut des antibiotiques et tout, ouais, là, ouais, ouais. Une vraie infection. Par contre, il a dit mordu, quand même. Ah, il est mordu. Je fais crever, là. Mais non, c'est fini pour toi, Bibi. Dis adieu. Attends, c'est écrit mordu, c'est mort-mort. Ah, mordu, c'est 100% de zombification. Pourquoi tu fais le surpris? Ah ouais. Mais c'est pour ça que j'ai dit on le bute. C'était même pas pour faire le mec. Arrête, là, arrête, lui, d'ici 10 minutes, maximum de jeu, il va être un zombie. Hein. Il est fini. Je vais mourir avant moi. Non, pas. Il aurait fallu qu'on mette le PVP en permanent. Est-ce que vous voulez qu'on active le PVP comme ça on peut. Non, mais on peut se taper sans faire exprès entre nous. Ça rajoute du stress, le tir croisé et tout. Ça pourrait ajouter du stress. Regarde, t'as vu mon arme, elle est pas mal. Hein. Je te jure, je devrais trop activer le PVP. Mais elle est incroyable, j'ai une arme invisible. Mais si, j'ai une arme, c'est ça. Ouais, c'est, elle est mémoire. Regarde, regarde, j'ai pas d'arme, t'es sûr? Ah merde. Merde, elle a cliqué. Bon. Elle s'est enrayée, je crois que je vais activer le PVP, moi. Attends, attends, attends. Mais c'est pas pour qu'on se PVP entre nous, c'est juste pour que quand il y a une situation comme ça, tu puisses mettre une balle dans la nuque de Bibi, tu vois. Pas toi qui va me tuer. Je vais survivre. Après, c'est pas urgent, je suis pas obligé de l'activer tout de suite. Il est mort, l'ancien. C'est juste que ça rajoute du réalisme de devoir faire attention, ne pas taper sans pote. À ton arme, même l'arme au corps à corps, tu peux taper ton pote sans faire exprès, ça devient vraiment. Ça devient vraiment. Il y a dangereux. Plus d'enjeux, quoi. C'est plus immersif. Arrête de me coller, ça l'a infecté de merde. Pourquoi tu me chase? Nabil, il y a un camion de malade. Ah mais mec, t'as rien vu encore ça, t'es fou, ça c'est un petit, ça c'est une trentinette ça. C'est rien ça, frère. Ah, de faire l'ancien. Vas-y, toi, conduis. Rentre pas dans mon camtar. Y'a pas d'essence. Bah là, on a juste à aller à une station essence et... Kamel, ouais, tu t'inspectes médicalement? Non, je veux pas, frérot. T'inquiète, je suis médecin, wesh. Viens, viens, mais viens. T'inquiète, je regarde juste si... Nabil, tu veux? Bah, bien, si tu veux, je suis là, moi. Cette maison, elle a l'air bien, là. Vas-y, Bibi, va en premier. Vas-y, si tu veux, vas-y. Mais de toute façon, on t'attend, tu rupop et on vient te chercher, là. Ouais, et puis tu pourras retrouver ton stuff, on laissera le cadavre de ton zombie, on va arrête te tuer. Arrête de courir debout, reste, tu dois être accroupi dans le jeu. J'avoue, moi, le premier. Attends, j'enlève mon bandage. C'est bon, y'a personne, tranquille, viens pas. Peut-être qu'on va trouver des médicaments. Non, y a pas de médicaments contre la zombification, malheureusement. Si t'es mordu, c'est fini. Y avait des médicaments, on serait pas là, mon pote. Genre là, je peux pas me sauver, c'est impossible. Je te jure, c'est pour ça que je te dis, gros. Imagine, si tu joues à ton perso depuis 2 semaines, tu te fais mordre, fin de la partie. Ta sauvegarde, ton perso, il est supprimé. T'as même pas de retour en arrière possible, quoi. Je vais manger toute la bouffe que je vais trouver avant de mourir. Ah, le bâtard. Attends, y a une poêle et des spatules, je te fais un steak et tout, Zarma, avant la fin. Ouais, last supper, là. Le dernier souper. Mais là, on va devoir retrouver Bibi, là. Hop, je suis fatigué, je prends les vitamines. Ah, le bâtard, tu nous laisses rien. Drap. Là, il y a des livres, là. Là, il y a des livres. Ici, il y a rien, là. J'ai full livre. Il y a une scie, là-haut. J'ai pêche niveau 2, couture volume 4. Mais j'ai besoin que quelqu'un vienne m'aider à les prendre. Piégeage, volume 1, 2, 3, 4. Moi, je vais essayer de nous trouver un véhicule adolescence. J'ai 4 de piégeage, couture, volume 4. Couture, j'ai quoi? J'ai volume 2, il me faut le volume 4. Merde, j'ai perdu 100. Agriculture, on n'a pas besoin, ouais. Merde. Si, si, c'est très cool. J'ai une blessure qui s'infecte. Vous aviez du désinfectant, vous? J'ai des antidouleurs, moi. Moi, j'ai des lingettes. Ouais, j'en prendrais bien une. Mais j'ai sauté, je suis même pas encombré, je me suis blessé. Soucieux. Oh, je suis encombré de 0.1 là, mais j'étais à 14 kilos tout à l'heure. Je comprends pas pourquoi t'es soucieux, hein. C'est bizarre cette histoire. Frère, j'ai tellement de livres. Oh, bonjour monsieur, vous voulez entrer? Ouvre, ouvre. Bibi, j'ai un étui de guitare pour ta guitare. Tu me passerais les lingettes, s'il te plaît? Oh, botte de pluie, faut enfiler. Merci. Ça, botte de pluie, t'as l'air d'en parler. Ouais, je t'ai dit 100% de protection. Tu veux un sac de randonnée aussi? Je suis chaud. Non, mais garde-le, tu vas venir le reprendre en vrai. Ou alors je le garde et je te le redonne, ouais. Je suis dégoûté, tiens. Je dois laisser ma paire de. Comme Air ça, t'as Force. Pas besoin de retrouver la maison si tu spawns à perpète, juste je te le repasse. One Chicago pour ses grosses bottes de clown. Dans ton inventaire, descends tout en bas et juste glisse là à l'extérieur, ouais, posé. Je peux pas peindre mes bottes? Oh, les bottes. Tu veux les peindre? Non, c'est le modèle qui est comme ça. Moi, j'en ai des noirs. Tu veux en échange? Non, t'inquiète. J'aime bien les vertes, moi. Non, c'est bon. Les bottes bon. De rust. T'inquiète, je les garde, je les garde. OMG, on se fait le food market? Toi, vas-y. Toi, nique ta mère, toi. Je vais pas mettre des coups de pelle. J'ai faim.
Bah tiens, tiens, je te donne à manger. Va au marché là, y'a de la bouffe. Mais on va au food market, on va à l'épicerie. Y'a de la manger ? Là-bas y'a de la graille, j'ai pas en vrai. Même moi j'ai faim. Attends, mais pourquoi j'ai charge assez lourde, j'en peux plus. Je suis déglingué moi, j'arrête pas de me blesser. Cuisse droite, pied gauche. Hop. Faut qu'on garde un œil sur Bibi là, pas qu'il soit zombifié dans un coin de maison qu'on le voit pas. Oh, y a plein de fruits. Ouais hein. En plus ils sont frais, tu sais qu'ils pourrissent après 4-5 jours, pour la plupart. Mais là on troll parce qu'on regarde pas. Là y a bientôt l'émission à 6h du mat. Ouais mais après moi je t'avoue je tryhard plus. Maintenant Kamel y a des VHS. Ça sert à rien de passer 10h de 100 ans à systématiquement, même c'est une méta un peu de merde, t'as vu? Ouais ouais c'est nul. Tout le temps fait la même chose. En vrai on l'ignore, on peut ignorer les émissions de télé. Quand on voudra vraiment tryhard les compétences, on lit le livre et on va juste raid une vidéothèque là où il y a des cassettes et on regardera les émissions pour avoir l'esprit comme ça. Ah oui, le livre, ça, en gros, lire des livres, ça augmente le multiplicateur, mais regarder la mission, l'émission, ça augmente l'XP, c'est ça? Ça donne l'XP, quoi, comme si tu travaillais. Le livre, c'est pour multiplier l'XP gagné, l'émission, ça te donne l'XP. Okay. Mais après, tu sais que l'XP, on peut la faire juste en démontant des meubles et tout, hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ah, donc tant que t'as les livres, c'est bon, quoi. C'est ça, tu mets le livre multiplicateur d'XP x 3, tu vas dans une maison, tu démontes tous les meubles, tu prends 2 points en menuiserie, t'as pas besoin d'émission de télé. Okay. Putain, j'ai cassé ma pelle. Il y a un zombie là-bas. Putain, je commence à être blessé de partout. Ouais, mais toi, t'es mort, ça y est. Là, tu vas mourir comme lui quand tu vas te transformer. C'est ça qui va se passer. J'ai une montre digitale, là je peux savoir depuis combien de temps on survit. Moi j'ai une montre digitale aussi. Je suis à 19h de survie moi. Normal, reste appuyé sur eux pour rentrer. Et mort à cause de ça en plus. Je te prends des bottes militaires, Bibi, toi t'en as pas. Mais frérot, des bottes militaires, pourquoi? Non mais quand tu reviendras après. Hey, c'est pas mal ce qu'il y a à l'intérieur. Viens chercher Kamel. Tu vas me tuer, fils. On met deux véhicules, y'a pas d'essence, malheureusement. Je peux pas te tuer, frère. Juste que ça sert à rien que je récupère. Petite plaque en métal, tuyau de métal, mais ça c'est pour après, ça. Ouais, ouais, c'est vraiment pas important pour l'instant. Massette, le métal. Duct type. Moi j'ai juste pris le marteau à truc pour ouvrir les portes. Quand on va raid le commissariat tout à l'heure. T'as pris quoi pour raid le commissariat? Bah le marteau à pain de ronde, fils de pute, vite, je voulais me bloquer. Ah, le marteau à pain de ronde, ouais, mais ça on peut juste taper la porte avec. Tout à l'heure j'avais pété une porte comme ça. Ça tombe, mon gars, ça tombe, adore dedans. On est sur la maison en face. Faut qu'on remonte vers en haut à gauche, les gars. La ville elle est faite comme ça. En gros, en bas à droite c'est les maisons, c'est le quartier résidentiel. Et si on remonte assez en haut à gauche, on va tomber sur une autoroute. Et c'est là qu'il y a tous les commerces et tout. T'es au food market, non? Vous êtes là? C'est quoi, zombie? Avance, frère. N'hésite pas à taper, Bibi. Tape là. T'as pas mis un dégât. Moi, je vous tiens le parapluie, je vous regarde. Faut qu'on se trouve une caisse. Paquet de cigarettes, la canette de bière, chips. Mais c'est la teuf au village ici. Je te jure mon gars. En plus t'es maigre au début, tu veux grailler tout ça pour reprendre du poids, tu sais. Faut moi, atteindre 75 kilos. Je sais pas si j'ai mis maigre moi. Ah ok. C'est où que je peux voir mon Bibi poids l'a pris. H-info. H-info. Là t'as poids. T'es à combien, 75 kilos? Poids 80 j'ai. Ah là, ouais. Tu m'as dit que j'allais mourir, je suis toujours pas mort. T'es bien toi, t'as pas besoin de manger. Frère, je mange. C'est entre 75 et 85 kilos de toute façon. Et après 85, ça te donne le trait. Je sais plus si c'est en surpoids ou un autre avant. Je crois que c'est en surpoids. Stop, ça. Mais après, ça te réduit un peu le fitness, c'est pas la mort. Un coca bien frais, t'as dit? Non, HK bien frais. J'ai entendu un coca bien frais. C'est tapé une bière, mon gars, là. Pas de me blesser, j'en peux plus. Mais pourquoi j'entends la radio comme s'il y avait des paquet de chewing-gum à la nicotine, mais il y a ça dans le jeu, c'est quoi cette dingue? Je te jure. C'est si jamais tu joues à un fumeur, justement. Kit de couture. Pas mal ça, non? Ouais, vu que t'as pris couturier, évidemment. Je vais me poser, je vais commencer à lire les livres. Moi, je suis remonté un petit peu là, je vous avoue, je nous cherche un véhicule.
Bandage. Mais Bibi, suicide-toi et reviens, hein. Tu perds ton temps là. Ouais, je vais sauter du premier étage là. Oh, c'était caché. Perso, il fait que drive. Je suis toujours pas mort. Non, j'ai trouvé une station essence. OMG, c'est où? En haut à gauche de là où vous êtes, genre ligne directe en haut à gauche, on arrive vers la station essence. Putain, par contre, il y a là les zombies sur place. Oh non, il y a du brouillard, sa mère. Ouais, mais ça, ça va m'aider en vrai à me faufiler. Ah, parce qu'ils sont nerveux. Ouais. Mais mec, il y a du monde à la station. C'est quoi cette maison de fou, frère? Il y a 200 zombies, wesh. Le bus, on peut le blinder à la Mad Max. T'es monté de ouf, non? Putain. Oh, je suis mort. Moi, là? Ah oui, tu m'étonnes, il a chaud. Il y a 100 zombies derrière lui. Ouais, Nabil. En haut à gauche, jusqu'à arriver à la route. Genre, ligne en haut à gauche, tu vas arriver sur une route plus dense et il y a une station essence. Ok. Non, mais là, ce quartier, wesh, il y avait quoi dans ce quartier? C'est la fête des voisins ou quoi? Mec, si t'arrives sur l'autoroute, tu vas halluciner. C'est la merde là où je suis. Non, non, mais là, je suis dans un patelin. Il y a au moins 200 zombies. Ah, mais gros, je te jure, la route, t'es pas prêt. Mais t'as mis du temps à monter, non? Ouais, un peu quand même, genre, direct en haut à gauche. De toute façon, tu peux pas la rater. Il y a une route sur laquelle tu tombes quand tu vas vers en haut à gauche. Tu vas pas te rater, t'inquiète. Il va full droite. Ah, merde. Ah, parce que pour moi, en haut, c'est là. En haut, ah bah ouais, mais... Ah oui, ok. En haut, c'est là, bah ouais. Mec, je suis dans la forêt, il y a des zombies. Au milieu de la forêt. Fuck. Il y a tellement de zombies ici, c'est... Qu'est-ce qui se passe, frère? Il y a que des hordes ici, en fait. Ouais, parce que en fait, avec le temps, ils se sont regroupés, les zombies. Ils font des hordes de 40 zombies. C'est avec le temps. C'est même pas tant ici ou quoi. C'est juste que vu que ça fait une heure qu'on joue, ils ont eu le temps de faire leur horde. Attends, je me suis fait mal? Ouais, en sautant ou en passant dans des arbres ou en sautant au-dessus d'une clôture en étant encombré. Ouais, ok. Mais je suis pas encombré, justement. Ouais, mais moi, ça m'est arrivé juste parce que j'avais un truc dans les mains. Le food burger, tu l'as vu? Non, c'est pile. Je suis pas sûr, mais on est vraiment pas loin. Pancake house. Bah là, je t'avoue, je suis... Oh, putain. Je sais pas comment j'ai survécu à ça. Je suis dans la merde, là, juste je cours, Kamel. Il y a plein de zombies qui me suivent dans la forêt de l'autre côté de la route. Mais qu'est-ce qui se passe ici, frère? Ouah, il y a une voiture, elle est déglinguée. Spino, Bicette. Jack, chicken. Ouais, ouais, t'es vraiment sur la route, là, l'axe principal, c'est ça la route dont je te parlais. Ouais, c'est la méga route, ouais. Et après, tout le long de cette route, il y a tous les commerces, il y a le bordel de zombies et tout. Mais frère, comment on fait quand il y a une horde comme ça? Il faut une arme, non? Shotgun, ta 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 ta. Cocktail Molotov. Ah mais là, on peut pas loot ici, on a rien à faire là avec notre... Non, ce qu'on peut faire, c'est diversion. À deux, tu sais, il y en a un qui attire tous les zombies, l'autre il remplit l'essence. Ok, ok. Mais là, je suis encore en train de courir en essayant d'éviter les zombies. Du coup, t'étais dans la forêt en haut, là, il y a un passage, je vois. Ouais, mais j'arrive pas à m'arrêter à aucun moment. Gros, je suis dans la forêt, mais il y a 12 zombies autour de moi et bientôt, j'ai plus de souffle. Ouais, faut que je me repose, moi. Essoufflez, prenez une pause. Oh putain, sa mère là. Va falloir que je les esquive, les gars. Je sais pas comment. Il y en a partout. On a accroupi, je passe tellement plus vite, je réalisais pas que ma blessure n'était pas appliquée en étant accroupi. En plus, je suis beaucoup plus discret, c'est bon. Mes frères, là, j'ai attiré tous les zombies du jeu. Il y a 400 zombies. Bibi, t'es où? Je suis en train de me refaire là. Ah, elle est là la station essence. À part c'est une autre. C'est avec un dino bleu? Ouais, ouais, c'est ça. C'est les dinosaures, le fossile, l'essence. Mmh. Ah, ouais, bah on est dans la merde, l'ancien. Mes frères, là, je sais pas comment on va faire. Hein. Ah, il y a le gros bus jaune. Le bus magique. C'est ça. Je suis juste à côté, moi, mais de l'autre côté de la route vers la forêt. Je reprends mon souffle et j'arrive. Ouah. Vous êtes sur la map tout à droite, vous? Faut que je rentre dans la forêt, faut que je rentre dans la forêt. Non, pas dans la map tout à droite, on a la même ville, là. Dans la même ville, je veux dire.
Elle est tout à gauche, en haut à gauche en fait, dans la ville. En haut à gauche ? Ok. Oh ouais. Tu tombes sur une grande route en allant direct en haut à gauche. Bibi, il est mort, Miskin. Il s'est fait mordre là. Mais posé, j'ai son sac à dos. Et il avait pas tant de stuff. J'ai des bottes aussi à lui passer. J'ai trouvé des bottes militaires. Ah bah c'est bon, alors je peux jeter celle que je t'avais pris. Il y a tellement de zombies dans la forêt. Ah t'as vu, je pouvais pas me reposer mon gars, j'ai pris 5 minutes avant de pouvoir m'asseoir. Je me suis déplacé accroupi, ça m'a aidé par contre. Mais je sais pas où aller là moi, je repars dans une forêt. Hein. Ouais, moi je reviens vers la station essence, il faudrait qu'on soit deux à la station essence, mais il faudrait qu'on soit pas essoufflé ou quoi, tu vois. Ah bah justement comme là, ça, là je vais essayer de me poser dans la forêt. Prends ton temps. Non, non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est tu pas t'es possible. Fait graille. Ouais, ouais, m'a remordu. 3, 3, 3 plus 1, allez, 3 morts. Après c'est normal, c'est normal. C'est la première infecté, c'est fini. C'est la première normal, fois c'est les ce débuts jeu, ça. C'est normal, c'est normal. Ouais, ouais, j'ai c'est ouvert normal. Une porte, il m'a. C'est rien, 3 morts. Moi je suis mort 50 fois avant de survivre une semaine sur ce jeu. Mais y'a trop de zombies, mon frère, wesh. Je t'ai dit, en plus j'ai dosé. J'ai pas mis autant que je mets dans mes parties solo. Je peux m'asseoir en balle ici là, non? T'as jamais testé, Kamel, des zombies qui sprintent, toi? Si, si, j'avais des sprinters, j'ai déjà vu. Ah, ok, bah c'est bon, tu sais alors. Ah non, mais c'est n'importe quoi, ça. Hein. C'est infernal, ouais, j'en ai pas mis, t'inquiète. C'est le premier truc que je t'ai demandé, en plus. On va se poser ici. En vrai, je vais me poser en regardant vers le bas. Est-ce que c'est la meilleure idée? Je pense pas. Je suis terrifié. Tu trouves pas d'endroit? Si, si, je suis posé là, mais... Il y a une forêt derrière moi. À tout moment, il y a un mec qui sort. Ouais, ouais, je sais. Tu t'assois, t'es pas serein. Ah, je suis assoiffé, sa mère. Ah, canette de bière. La même, la même. Faut rentrer dans une maison, là, s'hydrater, remplir le bidon, wesh, et après... J'ai vu l'arbre, il a bougé, wesh. Une fois qu'on a repris notre souffle et qu'on a de l'eau, il faut qu'on aille à la station essence remplir de l'essence. Vas-y. Bah d'ailleurs, j'y suis, là, à la station essence, mais il y a des zombies. Donc, en vrai, je peux aller faire le plein, là, en soum-soum, même si je suis en train de mourir de soif. Soum-soum, vite fait. Oh putain, j'avais pas vu. Le problème, c'est que j'ai pas d'eau. Bibi, tu te resuicides? C'est bon, je suis déjà mort. Il est mort, il est mort. On sait quoi, toi, depuis tout à l'heure, tu es le mec qui me course, on va voir qui est qui maintenant. J'ai de l'essence. Oh, il a un colt! Ah, le problème, c'est que j'ai pas, je peux pas le porter. Je le prends le colt ou pas? Si tu veux, mais il faut un holster. Après, si t'as de la place dans ton sac et que ça te dérange pas aussi, mais... Non, j'ai pas de place. C'est pas très utile. Après, on ira à une armurerie, il y aura des dizaines d'armes à feu et tout. Est-ce qu'il a son icône ou c'est aussi un point d'interrogation? Comme tout à l'heure. Ah non, un point d'interrogation. Ah, mais c'est un bug, ça, c'est pas normal. Faut qu'on le corrige, ça veut dire. Ouais. Parce qu'on a installé un mode d'arme que j'ai jamais essayé, je t'avoue. Mais c'est parce que c'est un mode d'arme réaliste. Il rajoute pas des G36 et tout, vu que le jeu se passe dans les années 90. Non. Mais vas-y, le mode, il a pas l'air de fonctionner. Je vais pinguer ce saut. Je veux dire, le mode des armes a l'air cassé. C'est le seul en plus que j'ai rajouté que j'ai pas dans mes parties. C'est dommage, les armes, c'est vachement important, mais... C'est pas grave, on corrigera ça facilement. Ah bah, j'allais t'écrire. Il a dit G déjà, c'est bon. Les jambes, ce mec. Vérifier. On avait dit quoi aujourd'hui l'objectif? Se casser d'ici? Ah non, aller à Louisville. Aller à Louisville et avoir un véhicule, ouais. Déjà ça, ça va être pas mal. Et rester en vie en faisant tout ça, ça va être un exploit. La vérité. T'as pris l'essence, hein? Ouais, j'en ai. Il faut quoi? Il faudrait quoi comme véhicule?
Il faut n'importe quel véhicule qui est pas en mauvaise condition. Après, c'est pas grave, c'est que les loot, ils spawnent que dans les cellules où il y a les joueurs. Il est simulé à la demande. Donc au pire, si on met à jour le mode et qu'on va dans une nouvelle zone, les loot s'en spawnent que quand on arrive dans la zone. Genre là, ça va pas spawn les loot de où que ce soit où on n'est pas, quoi. Juste la ville où on est. Kamel, ouvre ta map. Ah, je peux pas. Tu rajoutes un mode, ça rajoute les loot dans les nouvelles zones que tu visites, quoi. Comme ça, je vous rejoins. Oh putain. Je voulais remplir de l'essence en rapide, mais ça met du temps ou pas, Nabil? Okay, bah, là, tu peux le faire au fur et à mesure. Tu peux faire juste une seconde et partir dès que tu veux. Tu sais, ah, mais ça fera quand même. Oh putain, faut être du bon sens. Ça compte en temps réel. Ça y est, j'ai rempli. Ah, quand la main fallait pas, ouais, j'allais mourir encore. J'ai rempli, je me casse. Bien joué, j'ai fait la même ninja remplissage là. Le truc, il s'est pas fini, mais tu m'as dit ça. Je te dis, ça compte en temps réel, t'as bien fait, t'as bien fait. J'ai quasiment rempli le truc, mais ça s'est joué à rien. Pareil, j'ai quasiment rempli, je dois être à 80%. Du coup, on peut faire presque le plein d'un véhicule avec deux jerrycans. Là, il y a la Nox Bank. Bon, vas-y. On trouve un véhicule là et on se met bien. Yep. 10-22. Ouais. Moi, je reprends mon souffle et après, je vous rejoins. Ah, il faut absolument que j'ai meurs de soif là. C'est ce que je faisais aussi. Moi, je viens de rentrer dans une maison, je me suis hydraté. Mais là, j'avais la même galère que toi. La soif. Ici, c'est bien. Il y a un zombie à la porte. Hop. Il y a un pick-up ici, mais il y a trop de zombies. Il faudrait juste trouver un véhicule isolé. Ah. Le problème, c'est où est-ce qu'il y en a des véhicules isolés, s'il te plaît? Furtivité level 1, ça c'est bien ça. Ça change tout, non? Ouais, tu es de moins en moins discret, tu te fais spot de moins en moins loin. C'est pour ça que je l'ai plus facile, moi. Je commence déjà avec 2 de furtivité et 2 de discrétion. Ça va ensemble les 2 stats, évidemment. Toi, t'étais à 0, là, tu viens de passer niveau 1. C'est en étant accroupi que tu la level up. Ouais, juste t'es accroupi, tu te déplaces. En étant accroupi, de toute façon. C'est ça. Ça level up quand il y a des zombies autour de toi et que t'es accroupi. Ça marche super vite quand il y a autant de zombies autour de nous. Là. J'ai eu le bruit du zombie qui sort d'un coup. Le gros boom, le screamer là, ils ont rajouté une option, les gens sont trop cardiaques, ils ont rajouté une option pour baisser ce screamer, le volume. Des fois il est justifié, des fois il a abusé par exemple. Ouais, des fois tu vois même pas le zombie, juste en perso le voir. Mais comme je t'ai dit, maintenant tu peux baisser ce volume là juste tout seul. Eh, je vais pas m'attarder dans cette maison. On va juste boire. Faut que je m'assoie encore. On va manger, on va manger cette poire pour rester un peu healthy. Ah, fils de pute, il a tapé un plongeon. J'ai pas entendu, il a tapé un plongeon. T'es mort, Kamel? Non, t'inquiète. En gros, j'ai mes touches de déplacement et espace qui sont... Ah, là, il y a une petite pause. Ça a sauvegardé le serveur, là, ouais. Merde. Non. Il y a trop de zombies, cassez-vous de là, wesh. L'autre, elle va se réveiller. Ça fait du bruit quand t'essayes d'ouvrir une fenêtre? Le problème, c'est que là, ils m'ont vu rentrer, non? Là, je vais juste me reposer un peu. J'ai mangé, j'ai bu. On va se poser en plein milieu de la pampa. Sans repartir.
J'en peux plus, mon fils de pute. Oh, il y a une maison de fou, Nabil. Il y a un mec, il a fait tout un... Comment on appelle ça déjà? Un potager. Ah ouais, genre avec des plantes et tout. Ouais, ouais, ouais. Putain, j'ai le même problème, moi, encore les armes là, faudra qu'on le mette à jour le mode ou quoi. J'en peux plus, j'en peux plus, lâchez-moi. Plus 1, 4 morts, Bibi. Bienvenue sur Project Zomboïde, mon gars, hein. C'est comme ça le jeu, je te jure, c'est pas... J'ouvre une porte, je me fais mordre. C'est pas toi, c'est le jeu, mon gars. Il y avait même t'inquiète, un épouvantail. Ça, tu vas apprendre avec le temps à faire attention derrière les portes, quel move faire, quel move ne pas faire et tout. Let's go. Oh, il y a une belle voiture là. Discrétion level 1, let's go. En vrai, je vais clear la zone ici. Et je vais... on va prendre cette voiture, je pense. Hein. Bah, j'en ai une de caisse, mais c'est juste une de place maintenant que tu le dis. Ça sert à rien que je la prenne. Ah, moi aussi, c'est une de place. En fait. Ouais, je sais. Ah merde, c'est une de place. Ah, c'est Bibi une de place skin. Aussi. Après, Bibi, va dans ça. Le coffre, non? Il peut pas. C'est pas réaliste ce jeu. De ouf, yo. Moi, j'ai un pick-up là. On pourrait mettre 8 personnes dans la benne, mais il y a que 2 places. Ah, dommage. Oh, j'ai une camionnette. Ah non, elle est très endommagée. Je sais pas si on s'en fout ou pas. Si elle est endommagée, on s'en fout, non? Elle a l'air vraiment. En vrai, tu peux regarder vite fait au capot, t'appuies sur E, voir l'état. Si c'est pas. Si non, c'est plus que 50%, ça va. Je peux pas regarder. Ok, je vois. Ça, c'est une 4 places. Oh, l'ancienne, elle a trop de flow, la voiture. Ah, mais... Non, elle a que 2 places, merde. Non, ici, les gars, je vous laisse vos caisses. Hein. Pas des voleurs. Quoi, je suis un nain de chardon? Ouais, y'a plein de nains de jardin, tu peux les ramasser et décorer ta maison avec si tu veux. Oh, secure storage. Il doit y avoir des trucs de fou, c'est comme... C'est qui ça? C'est Bibi? Ouais, c'est toi que je vois ici. C'est comme les ouh. Émissions là. Oui, oui, storage wars et tout là. Ouais, ouais. Ouf, j'achète à 400 balles, 500 balles. Un jour, je voulais faire une vidéo de ça, je l'ai jamais fait. Il doit y avoir un truc de fou dedans. Y'a ça de ouf, je te jure, un peu partout au Québec, genre tu vas faire des enchères de conteneurs. Ah ouais? Tu regardes à l'œil vite fait et tu fais des enchères avec des gens comme dans l'émission, normal, t'as ah vu ouais, des gens, moi ils... je pensais que c'était vraiment oh. un truc de l'émission moi. Non non, je te jure ça existe vraiment, c'est un concept. En fait les conteneurs comme ça, les dépôts comme ça, quand leurs clients ils viennent pas au bout d'un certain laps de temps, ils ont le droit de tout mettre en vente. Mais c'est au hasard genre. Ils font des enchères. Ils font des enchères, ils laissent les gens décider à l'œil, t'as pas le droit de fouiller, tu vois juste grossièrement ce qu'il y a dedans. Ah. Mais Bibi, je t'ai perdu alors que t'étais de l'autre côté de la clôture. J'ai continué sur le en haut à gauche. Vers le haut à gauche, c'est ça? Ouais. Au Québec. Hein. Mais là, je reviens. Cyrilus, il m'a dit en France, c'est interdit. C'est pour ça que peut-être que c'est pas si commun chez vous. Parce ouais. que c'est au hasard, quoi. Enfin, c'est au hasard. C'est ça. Moi, ça m'avait intéressé. Une fois, j'ai dit ce serait trop un bon concept de vidéo YouTube de juste aller à ces trucs-là. Ah, je pense c'est incroyable. Je suis revenu à la maison de base, Nabil. Okay. Ah ouais, je suis juste de l'autre côté de la haute clôture, t'as gars, vu, j'ai sauté. Tellement loin. Il y a une haute clôture là où je t'avais vu, je t'avais dit, ah, je te vois. Le problème, c'est qu'il y a trop de hordes, ouais. Je peux pas respirer. Je sais, c'est pour ça, une voiture, il faut qu'on se tire de ouf. Ouais, je suis là. Cette ville de merde, il y a trop de hordes, ouais. Je m'agis, mec, c'est comme ça dans les zones urbaines, tant qu'on n'a pas d'armes, c'est le caca. Ah, t'as un scan de la pièce, genre même un scan 3D, j'avoue que ça permet encore plus de se faire une idée. Attends, c'est côté gauche ou côté droit pour prendre le vélo? Gauche. C'est pas du tout, je te jure. Kamel, toi, t'es où à peu près, vers la route ou pas du tout? Vers la grande route, je veux dire, principale ou pas du tout? Je suis pas dans la ville, non! Je suis à vélo! Ouais. Oh non! 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 Ça non, va trop vite. Meurs pas! Meurs pas! Je suis essoufflé de 2 secondes. C'est trop dur à piloter ça. Ouais ouais, c'est l'enfer le vélo gros, moi j'aime pas. Même la moto c'est encore plus infernal, c'est ça mais en 10 fois plus rapide.
10 fois plus vénère. Frère, ça pue l'accident. Ouais, je vois. Ça a du sens. Oh, si je fais un accident de vélo, c'est... je vais hurler. Tu couvres ton dos, Bibi. Je suis sur la grande route, 3, là. Je suis sur la grande route. 2, 1, on se lève, on se lève, on se lève. Bibi, bouge. Bibi. T'es un bon, voilà, t'es un bon, voilà. Non, Nabil, il est mort. Bibi, t'as pas croqué? Non, il m'a pas croqué, rien. Mais non, si, mais... t'as un pantalon déchiré, là. Appuie sur H, vite fait. Non, il m'a pas croqué. Non, non, je jure, des fois t'as le bruit, mais il se fait pas croquer. Mais Bibi, je crois, il y a le PVP d'activer là. Sojin, il s'est connecté, il a activé le PVP. Vite fait, bien fait. Je t'ai poussé là. Ah ouais, tu me pousses. Mec, il y a le PVP. Du coup, pendant 2 secondes, je t'ai poussé sans faire exprès là. Eh, hey, le vélo, le temps c'est incroyable. Qu'il y a pour se lever, c'est abusé. Ah là, je m'accroupis, je te suis. Mais y'a pas un régulateur de vitesse sur le vélo? J'ai l'impression qu'il va trop trop vite. Ok, ok. C'est bon, il a trouvé, on avait juste mal installé un mode pour les armes. Faudra un moment qu'on se décore au coup, tu sais, pour l'installer comme il faut. Comme ça, on aura les bons loot des armes. Oh. Mais plus tard, quand on se rassemblera. J'ai une camionnette. Très bon état. Lourd. Bah rempli et démarre. Après, faut que tu démarres avec les filles. Tu peux pas, t'es pas cambrioleur. Non, non, mais je peux pas parce que là, il y a trop de monde, là. Bah, elle est pas loin de la station, hein. On remonte là tranquillement vers toi avec Bibi. Tu sais que je suis fatigué encore moi. Elle est vraiment pas ouais, loin. Ouais, je sais, elle moi aussi je suis essoufflé, on s'arrête dès que possible. Elle est juste en bas du chicken spot. Du chicken spot. T'es passé okay. Où J'ai continué, même axe, juste continué vers en haut à gauche. Je me suis pas arrêté, je traversais les arbres. En fait, ah, je te vois en bas, les en bas, plus là, en bas. Et après je me taille. T'es à gauche direct, je suis assis là. T'as pas pris d'essence, fais gaffe. Si, j'ai l'essence, je l'ai rempli tout à l'heure. Ouais, non, t'as pas pris Kamel en fait. Moi, je voulais pas te le dire parce que les gens ils stream stalk, tu vois. Mais ouais. Je te le dis maintenant. T'as en fait été en train de sortir le jerrycan de ton sac. T'as même pas fini cette action. Toi, tu pensais que c'était en train de remplir. Je me dis aussi, c'était l'action de sortir le jerrycan de ton sac. Ah, je me disais, ça allait vite. T'es un crawler. Ouais, ça va vite, hein. Ah, y'a des belles voitures ici, mais. On peut passer par là et sauter la clôture après pour les kites. Hop. C'est vraiment fun pour l'instant, ouais. En plus, Kamel a jamais vu Louisville encore. Bah, Bibi non plus, vu qu'il découvre, ça va être cool. Non, j'en ici, peux hein. Plus, no joke. Non, j'en peux plus. Nabil, c'est à toi de trouver la voiture. Ouais, t'inquiète, on est à un parking justement. Par contre, il y a des zombies ici. Il y a une voiture 4 places, je te jure, mais faut que je kite les zombies. Je vais. Au moment où tu dis ça, gros, je tombe sur une voiture. T'as vu là-haut là? Faut qu'on ressaute par contre, Bibi, je crois. Non, non, tu dois la trouver, moi. Il ouais, y a une plus, horde moi. Là. J'en ai marre depuis le début. Oh putain, fais gaffe quand t'arrives. Bouge direct, hein. Mais moi aussi, gros, c'est la merde avec Bibi. Tu peux les traverser les zombies en maintenant shift. Ça fait juste une animation, mais ne t'arrête jamais, quoi. Oh putain, ils t'ont attrapé ta veste, cours. T'arrêtes pas, cours. J'ai juste des. Je suis égratigné là. Ah putain, ouais, ils t'ont attrapé parce qu'ils étaient trop nombreux, c'est pas grave. On bandera la blessure. Continue accroupi là, on va dans la forêt. On va se mettre à l'abri là-bas. Dinguerie, faut pas que tu me perdes. Non, t'inquiète. Je sais, j'ai vu, t'en balayer, t'es tombé comme une merde. Ah, ils l'ont balayé, le pauvre. Ok, je continue tout droit, je veux pas te perdre. Ah, c'est bon, on est assez proche là. Ouais, fais gaffe. Faut vraiment qu'on trace accroupi jusqu'à ce qu'il y ait plus de zombies, quoi. Y'a tellement de livres intéressants ici. T'es dans une librairie ou quoi? Non, dans une maison. Ah ouais. Ils ont juste des grandes bibliothèques. Mais c'est le jackpot, hein. Il y a des zombies partout, mais on continue, Bibi, t'arrête pas. T'as un bandage ou pas du tout? Attends, je te dis ça. Non, j'ai pas. Ah ouais, okay, en fait. Ok, à tes pieds, regarde par terre, loup. Ah non, t'arrête pas, continue. Putain, il y a le zombie, j'avais pas vu. Je suis chez un écrivain, en fait. Faut qu'on retombe un peu là. Enfin, faut qu'on redescende, on revienne vers là. Oh non, il y a une route, j'ai rien dit. On peut continuer vers la route, en vrai. On va les perdre après ça. Y en a partout. T'es là? Ouais. Ils arrivent encore, mais on va bientôt les perdre. Viens, on va plus à gauche. Comme ça, ils sont pas sur notre trajectoire. On traverse ces arbres, après, ça devrait être bon en vrai. Genre, ici, je te drop 2 tissus déchirés. Mêlés. Assis-toi. Vivre, les zombies, là. Comme ça, tu reprends ton souffle. Ok, c'est bon. Oh, j'ai un groupe électrogène ici. Propre, ça faudra qu'on l'embarque dans la voiture quand on en aura une. C'est-à-dire là, alors? Ouais.
Boîte avec des peintures teintées automobiles, peinture automobile blanche. Oh, ça, c'est pour après. Ça. Ah oui, parce qu'il y a un mode de peinture. Mais genre vraiment avancé, il faut des brosses, il faut des primers et d'autres trucs que je connais pas trop. Comme de la vraie peinture automobile, quoi. Il faut plein d'items. Juste pour repeindre ta caisse. Lunettes de sécurité, j'ai un fil pour avoir du flow. Comme ça, ils peuvent pas me taper les yeux. Ici, y a voilà les... Y a voilà les outils. Mais non, c'est pas ce que vous croyez, les zombies. Y'a personne qui habite là-haut. Bibi, y'a du mouvement. Y'a un arbre qui a bougé là. Ouh, oui, mais y'a quelqu'un ici, je te laisse chez toi, mon gars. Ah non, c'est juste le vent, y'a plein d'arbres qui bougent. Bon, viens, on y retourne de toute façon. Moi, j'ai des lunettes de sécurité, il peut plus rien m'arriver. On traverse juste la forêt, on revient. Après, j'ai plus rien à loot là. Faut absolument que je cherche une voiture pour stocker le loot en fait. Oh ouais, t'inquiète, on est sur le coup. C'est le dernier truc là qu'il nous faut. Après, on est à l'aise. La survie commence. Elle a déjà commencé depuis longtemps là, mais je veux dire la vraie. En voiture et tout là, on va flex. Oh la vie de ma mère, j'ai une deux places. Mais au pire, vous trouvez une deux places. Bah. J'ouvre le capot là. Elle est incroyable, wesh. 95%. Ah, Cody, c'est une Ford Mustard. Ouais, ça va, c'est Mustang, Mustard, ouais. Ah, mais celle-là, elle est configurable de ouf. Elle est pimpable en mode Mad Max. Ça fait partie des véhicules Mad Max, comme mais je disais. Mais elle est à 50%, c'est ça le problème. Elle avait pas. Mais après, faut la réparer, quoi. T'as la compétence mécanicien. Tu retapes toutes les pièces une après l'autre. Elle a l'air Bibi, je vais prendre un vélo pour essayer de nous choper une voiture. Tu t'es fait attraper? Mais tu fais exprès, c'est pas possible, tu t'arrêtes et les zombies t'attrapent. Non mais en fait ils se TP. Mais je vois aucun zombie se TP, mais non. Je te jure que même toi, genre là, le zombie qui m'a attrapé, il était sur toi. Ok, ok, ouais, toi tu vois les zombies se TP et tout quoi. Mais t'es sur la 4G là ou un truc comme ça, c'est pas possible. Bah non, même pas. Mais dis-toi que même toi, je te vois TP hein. Ok, ouais, parce que moi je te vois synchro de ouf, c'est pas normal, t'as vu. Kamel, toi tu vois pas les zombies se TP? Non, je pense que je suis mort. Le vélo là, le bourbier. Il est tombé de vélo. Allez, attends, je les prends sur moi. Je peux pas faire les fils là. Je suis déjà mort. Tu t'es fait mordre? Bah ouais. Allez, on peut la manger. Faites-vous plaisir. C'est ça, des fois, t'as des signes comme ça, faut décoroco. Mais j'ai jamais vu les zombies se TP ou quoi. Eh, moi je peux pas faire de les fils. Non, malheureusement. Mais ouais, je suis mécanicien, ouais. Ah ouais, là je vois, il y a full tuning et tout. Pneu arrière gauche. Là il me faut une crique, une clé en croix. Mais ouais, je suis vraiment mécanicien. Moi j'ai démarré avec les fils. C'est-à-dire là, si je trouve pas la clé de la voiture, c'est mort. Ouais, hein, c'est chaud. Tu peux débloquer. En fait, c'est quoi? Deux électricités et deux mécaniques pour pouvoir démarrer une voiture avec les fils. Tu peux juste monter tes compétences mécaniques et électricité, mais tu peux pas faire ça tout de suite là. Je suis déshydraté, moi. Bibi doit être dégoûté du jeu. Les gars, après, je vous jure, au début, t'es obligé de mourir. Hein. Wesh. Il a un skin, le zombie. Il vous a pas menti, Kamel. Hein. C'est vraiment le jeu où tu meurs des dizaines de fois. Là, Bibi, pardon, il est mort 4 fois, c'est R. Attends, je peux regarder la boîte à gants pour voir s'il y a les clés? Ouais. Si tu peux rentrer dans le véhicule. Mais j'ai une voiture, là, c'est qu'une de place, mais c'est juste pour bouger un petit peu, déjà, tu sais. Pour aller trouver une meilleure voiture. Y a rien, les gars. Y a rien. Juste un peu d'essence pour commencer. Moi j'ai cherché une voiture aussi. J'ai un petit Toyota la Hilux ou quoi. Bibi, t'aimes bien ou t'as envie de mourir? Non, j'aime bien moi. Bibi, dis-moi si t'entends un klaxon là. Ouais. Tu l'as entendu? Attends. En bas à droite, je vois Error 4. Est-ce que c'est pas. Ah, c'est juste les mods, ça, c'est un petit message d'erreur. Mais comme je t'ai dit, je vais redémarrer le serveur, ça va corriger le problème. C'est le bug des armes, ça. On a mal installé le mode des armes. Moi j'ai 21 pieds. Vas-y, klaxonne pour voir. Mais je suis sur la route là, en fait, je suis sur la route principale. Tu te saurais si j'étais à côté. Ouais, je t'entends pas. Non, mais la route principale, c'est celle en haut à gauche où on était. Y'a pas une caisse qui traîne là, quelque part, là. Petit van ici, mais je veux un véhicule bien isolé, une autre station essence. Mais la clé, c'est sûr qu'elle est proche ou il y a...
Pas du tout, il y a très peu de chances de la voir honnêtement. Okay. Des fois elle est par terre, tu la vois visuellement. Des fois il y a juste pas. Ok. Non, j'aurais entamé des recherches. Là, ça me sert plus à rien d'aller dans les maisons à part pour boire, d'ailleurs ce que je vais faire. Les gars, on va s'en sortir. T'es où toi à peu près, Kamel ? Oh, moi je peux rejoindre. Oh ! Mais c'est une maison de survivants, ça, non ? Barricadé en bois ? Non, 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 mais comment dire ? Il y a des dortoirs. Pas des dortoirs, mais des trucs d'infirmiers, là. Genre comme un hôpital de campagne ou quoi ? Ouais, ouais, ouais. Mais je pense pas que ce soit un truc de survivant, c'est juste mappé comme ça. C'est des lits de camp, ils disent. Ah, VHS de Magical Wound, Woodland, VHS Dead Wrong. Des fois, c'est juste des VHS pour le kiff, pour le divertissement, ouais, comme ouais, des livres, ouais. Tu sais, c'est pas des VHS qui t'apprennent la moindre compétence. Après, Woodland, ça a l'air d'être... C'est vraiment la pire, cette ville. Hein. Il y a très peu de parking, il y a très peu de véhicules et il y a trop de zombies. Faut qu'on se barre d'ici. Elle est trop nulle, cette ville. Faut vraiment qu'on trouve une caisse... Là, moi, je cherche une caisse d'une famille qui est morte. Je sais pas de comme ça, non, on a une voiture familiale. C'est ce que je cherche, j'ai pas... Oh putain, je regarde pas. Je vais pas faire le mytho. Moi, je reloute, là. Oh, j'ai un Rubik's Cube. Et un jeu de cartes. Prends le jeu de cartes. J'ai pas de place. Frère. Prends, ça prend pas beaucoup de place. C'est genre 100 grammes, ouais. Vas-y, je prends le jeu de cartes. 200 grammes hein, quand même. Je vais prendre cette voiture ou celle-là, comme ça je pourrais transporter les gars. Eh oh, pas ici. Merde. Shit. Putain, mon rêve. Un petit Renault Espace là. Juste boire de l'eau et après j'ai une voiture moi à 4 portes. Mais encore faut-il que j'arrive à la démarrer. Hein. Mais toi t'as des compétences. Non, genre quand tu passes par là. Oh, je suis dégoûté. Je suis passé par une fenêtre avec la. Une fenêtre avec cassée, des vitres. Je suis... Ouais, ah ouais faut retirer le verre brisé avec un outil. Arrête ça, si on te l'a pas dit, je peux pas savoir. Mon truc. Ouais, c'est ça. C'est... T'apprends la leçon la première fois que ça t'arrive. Maintenant je sais. Oh, il y en a plein des gens qui font du RP et tout, là, pas aussi intense, tu sais, que j'étais RP ou Altis Life ou quoi. Ouais, mais il y en a qui se mettent des règles à la Walking Dead et tout. Bah, ils sont des communautés vraiment avec des vraies règles RP et tout. Je te dis, les serveurs, ça peut être jusqu'à 100 joueurs, donc il y a de quoi faire. Jap Wrangle Trunk of a Spare Wheel. Ah, mais c'est un Atlas. C'est la Jeep, ça. C'est un magazine ou quoi que t'as eu ? Non. Je crois que c'est un attelage. Ouais, c'est pour la Jeep. J'ai entendu la Jeep Wrangler là, c'est Mad Max ça aussi, le mode Mad Max. De toute façon, c'est, quand c'est écrit Auto Tsar Tuning, ouais. C'est le mode des véhicules à tuner. Ah, déjà, on veut juste un véhicule là. Non. Il y a les pièces détachées du coup. C'est pour ça que je t'avais dit de prendre la mécanique, etc. Et ces deux voitures ont l'air très très mal en point. Hashtag analyse. Mais celles-là, c'est des voitures classiques. Ça veut dire, t'as vu, elles sont toujours. Un peu là qui arrive. Ça, c'est des voitures classiques, les amis. C'est comme la R5. C'est des bails, ça. C'est intombable, ça. Ok. Trop proche là-bas. Ah ouais, c'est tombé. T'es où, toi, Kamel, à peu près? Je suis un peu à droite, mais moi, dès que tu me dis viens vers la grande ville, j'arrive vers la grande ville. Viens vers la grande route, ouais. Comme ça, ça y est, j'ai le véhicule. Oh, il y a une moto. Ah, c'est grave véhicule, dangereux, j'arrive. Fais gaffe. Hein. Non, mais t'inquiète, la grande route, j'y suis allé 50 fois depuis le début. Démarre! Il est dans la merde, ma vie. Non, c'est bon, j'ai démarré. Comme dans les films. J'ai 6 places là. Ouah, t'es une légende, j'arrive, frère. T'es où toi, Kamel? Je suis un peu à droite, mais j'arrive sur la grande route. Dès que je suis sur la grande route, je te dis. C'est bon, posé. Plutôt à droite, on va se croiser. Donc,
prends la moto. Je te jure. Les gars, la moto, ça signifie la mort. Ah ouais, la moto, c'est chaud, je te jure. Le skate aussi, hein, c'est risqué. Surtout quand t'as pas la stat vivacité. T'as plus de chances de tomber du skate et tout. Mais c'est silencieux et rapide. Et j'arrive. Je suis au cake house, là. Moi, je suis sur la grande route. Et... Je sais pas si tu te souviens d'un camion rouge. Mais je suis sur la grande route, là. Mais les zombies, ils veulent pas, mais c'est tranquille, c'est bon. T'es sur la grande route, ouais. Ok. T'as vu où il y avait mon vélo? Oui. Bah, je suis là, je suis juste derrière. Comment je rentre? Attends. Wesh! Mais il est malade, il voulait m'écraser! Non, je t'avais pas vu, c'est tout. Viens, il y a trop de zombies. Je voulais pas t'écraser. Je veux pas venir, mais. Je voyais pas. Merci, Glef. Reviens vers le bas, viens vers le bas de la route, s'il te plaît. Ouais, j'arrive en bas. J'arrive, je suis en bas. Attends, mais reviens vers le bas de quoi, le bas? Non, mais en gros, prends la route et va vers le sud. Mais je suis au sud, là, de la route. Ah, t'es là-bas, toi, t'es sur la route principale. Bah oui. Mais pourquoi tu me dis d'aller au sud? Je suis derrière toi. Ah, continue bah... de courir, je te rejoins. Vas-y. Écrase-les, s'il te plaît. Non, mec, le capot, il prend très cher et après, c'est le moteur. Et après, le véhicule, il roule plus. Tu peux écraser 20 zombies après le véhicule, il est HS. Vraiment pas beaucoup. Mais comment je rentre, là? Passe à droite. Je me place ici, viens. Viens. Ouais, t'as entendu les rafales? Ouais, y a une mitraillette, wesh. Ça, c'est des événements audio aléatoires, c'est pas des gens qui tirent ou quoi. Et les zombies les entendent aussi, ça les hype et tout. Let's go! Wouh! Il est où, Bibi? On va le chercher. Bibi, t'es où? J'arrive. Je suis vers les maisons où on était de base. Là où on... T'as laissé les musiques épiques du jeu ou pas, Kamel? Ouais, j'ai toutes les musiques. Ah, elles sont lourdes. Ah mais elles me mettent trop le stress les musiques, c'est pas juste wesh. De ouf. Je suis devant le US Store It. Ah mais je pense qu'on est trop descendu là hein. Attends, tellement loin. Je vais regarder la map. Ah ouais non, faut qu'on descende un peu plus là, on est trop à droite en fait. Essaie de rejoindre la grande route si tu peux Bibi, on te rattrape là. Vous êtes pas prêt pour Louisville, hein. Là c'est la campagne par rapport à Louisville, et j'abuse même pas. Ouais, mais y a Louisville la... est mais 30 fois plus grande que cette ville. Oui. Tranquille en voiture, j'ai plus de stress. J'ai tellement de... Tu me dis si tu veux conduire un peu, je peux te laisser. Hein. Non, t'inquiète. Wouah, je suis à côté de... Oh, y'a des lingettes désinfectantes. C'est comme une église, je suis pas sûr. Ah, tout à l'heure, je passais à côté de l'église. Wouah, t'es mal la Mustang ici, je l'avais pas vu, mais c'est celle dont tu parlais, non? Non, tu parlais des pièces. Non, si, c'était à peu près la même. Mais elle était grise et elle était incroyable. Ouais. Après, elle était à 50%. C'est ça que t'es mécano, hein. On va à Louisville. Aïe. Bibi, viens juste vers la grande route, wesh. Mais c'est quoi la grande route? En haut à gauche, la grande route. Tu l'as pas encore vue, toi, je crois, c'est pour ah, ça. Ah, si, bon, je la vois sur ma map. C'est une route double voie. Ouh, attends, il y a beaucoup de zombies, là. Quadruple voie, non, même. Avec plaisir, il est trop bon, ce jeu. Faudra juste à un moment, quand on se rassemble tous, on fait une halte, on s'arrête au bord de la route, 2 secondes, quoi. Je redémarre le serveur, comme ça. Les armes sont fixes, tu sais, le mode des armes là. Mais posez une fois qu'on aura Bibi. Je suis devant une boulangerie. Ok. Ah, c'est en haut, non, un supermarché. C'est en haut. Je suis devant un supermarché, 24 heures. T'es sur la grande route ou pas? Enfin, t'es proche de la grande route. Sur la grande route. Là, je suis devant. Tu vas nous voir là en van, alors passer devant toi. C'est bel et qu'il y a beaucoup de zombies, hein. On est au motel et le capot, il a l'air déglingué déjà, donc c'est le moteur qui prend là, je sais pas combien il est. Ouah, le bus magique, faut le récupérer lui plus tard. Ça, on peut le blinder. Mad Max. On va le récupérer fort, Mad Max. Là, je suis devant... Splifou. Ouais, c'est où ça? Je t'avoue, je connais pas si bien que ça, cette station ville. Essence. Ah, il est là. Grimpe. Change de siège, V, change de siège, Kamel. Ah non, il a pu monter. Attends, non, il a pas pu monter. Rentre. V, change de siège, ouais. Moi, je rentre. Vas-y, appuie sur E. Okay. C'est bon.
Accélère. On est là. Let's go, Fabriville. On va à Louisville. Comment ça s'appelait cette ville de merde? Plus jamais je peux dire ça. Muldro, plus jamais. Muldro. Oh, c'est la pire ville du monde. Regarde ce qu'il y a en face. Et si vous pensez que c'est fini, il y a 50% de zombies qui spawnent en plus de la population de base. Il y a un autre 50% qui s'additionne au fur et à mesure en 28 jours. Ah, tous les jours. Genre là, il y a 250% de la population et il y en a qui spawnent pendant les 28 premiers jours. On est à combien de jours de survie là? Quand même un jour, 13 heures. Hein. Ça fait 15 jours. Ah gros, il n'y a pas d'avance rapide, il n'y a pas de sommeil. Attends, d'habitude, quand tu joues en solo, là, j'ai tu dors. Ah oui, c'est vrai. Là, tu dors pas, tu passes pas 8 heures, 9 heures à dormir, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Ah, parce que t'as enlevé le sommeil. On peut le laisser, mais après, c'est chiant, tu dors, ouais, tu vas te allonger pendant 3 minutes. T'es là, t'es AFK, tu sais. Ah, surtout qu'on c'est est... pas vraiment utile, on peut le mettre. Mais attends, en outil, ça a pas trop de les sens. Les lunettes de lecture, elles permettent de lire plus vite? J'en ai aucune idée, passe ta souris dessus. Non, y'a rien écrit dessus, je pense pas. On va où? On va à Louisville. On va à Louisville. Bibi, ouais. Regarde sur ton navigateur vite fait là, va sur projectzomboidmap.com. Tu peux le Google aussi pour trouver plus facilement là. Tu vas voir la map interactive du jeu dont on parlait tout à l'heure. Oh, merde. Le truc c'est que je comprends rien. À la map? Il y a trop de poupes. Ouais, bah ouais, c'est. Juste des zooms de ouf, des zooms pour avoir une vue globale. Et nous on est dans la ville qui est plus ou moins au milieu, t'as vu? Ok, et là on va en bas, on va la... On va vers à la droite, vers la giga ville à droite là. Oh putain, on est sur un gros bouchon là. Waouh, la dinguerie. Ça aussi c'est un mod qui rajoute des bouchons comme ça et tout. C'est bon pour les mécaniciens, tu peux trouver des pièces de rechange et tout, mais c'est grave chiant pour rouler. Attends, faut noter c'est où comme ça, moi je vais venir, je vais faire mes... De ouf hein. C'est une casse en fait. Mais t'as bloqué la voiture là. Véhicule, là. Il a bloqué la voiture. Franchement, là. Un peu. Fais gaffe. Non, par contre, il y a une voiture rouge derrière, elle est incroyable. J'avais pas vu. Voiture familiale. Ouah, je vais venir ici, je vais tout enlever, toutes les pièces. Je te jure, il y en a plein, t'inquiète pas, des barrages comme ça. Il te faut clé à molette, matos mécanique, là, le cric. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure. Ça te l'avait dit, t'as vu? Là, on s'arrêtera juste en route, genre si on croise. C'est regarde. La merde en face. T'as vu le camion citerne militaire ouais, là, ouais, trop stylé. Ouais. Premier truc que j'ai vu, il a l'air net en plus. La hein. Même, on a. Absorbé par le stuff militaire. T'es mal à la remorque ici, comment c'est stylé. Ah, il y a le camion qui va avec. Ouais. Oh, c'est le Peterbilt ça. Ça aussi, Kamel, c'est Mad Max. Okay. Le Peterbilt, on peut le pimper et il a une carapace de métal qui le couvre en entier. Ça devient, on dirait, un Transformers de bordel. Ouais, ça veut dire que tu peux foncer sur les zombies banals quoi. Ouais, de ouf, à l'armée des morts et tout, comme un film. Les citernes ici, t'as vu, t'as différents types de remorques. Il aime trop dire Mad Max. Je te jure. Le pire, c'est que je suis même pas tant fan. Hein. C'est juste parce que c'est la meilleure façon de décrire comment tu pimpes ces véhicules et que c'est des modeurs qui l'ont fait. C'est juste, c'est trop stylé. Mad Max. Mad Max. Le véhicule, il est Mad Max. Il y en a 6 ou 7. Ça va, tu conduis bien, Nabil. C'est un merci, peu amélioré, merci. Mais... C'est logique. Il peut mieux faire. Par contre, j'ai faim et soif. Moi, j'ai ouais, rien. Ouais, ça, faut qu'on s'arrête là. À une maison dès que possible. Ah, moi, je suis assoiffé et à faim. Il faudrait qu'on trouve une petite... Après, si on reste dans la voiture, moi, ça me va. Hein. Là, y a pas une zone résidentielle ou quoi? C'est quoi ça? On est loin de Louisville, commercial. Là quand même, donc faut qu'on s'arrête, t'as vu, ici ou n'importe où, que ça a l'air, où ça a l'air non, intéressant. On va dans un petit coin de campagne, non? Aussi, sinon, c'est possible, absolument. Sinon, on va à Spifo, là, y a pas beaucoup de zombies, en vrai. C'est de la bouffe, ouais. Ah, mais je vois où on est ici, exactement où on est. On est pas loin de West Point. Donc on est pas loin de Louisville, hein. Mais là, je suis desséché, là. Oh, regarde, le fourgon, il a un par ah ouais, zombie, ouais. Oh, mon gars, on descend ou quoi? Mais il y a plusieurs places dans ça. Moi, ouais, descendu. C'est un fourgon comme le nôtre. Hein. Bah, de toute façon, faut qu'on boive et tout. Venez, on clean les zombies autour. Vas-y, je vous laisse faire. Ouais, vas-y. Comment ça, tu nous laisses faire pousser les écrasés avec ton pied? J'ai rien. Ah. Mais allez, je regarde, moi, sans arme, je range mon marteau. C'est plus efficace. Moins un. En fait, Bibi, pour jouer, tu maintiens un clic droit, évidemment, ça t'a capté. Et espace pour pousser, toujours, tu spam espace. Dès qu'il est à terre, tu te places au niveau de sa tête. Et tu spam espace.
Tu veux lui écraser la tête. Qu'est-ce qu'il y a à savoir? J'avais pas compris clic droit et espace. Hein. Tu vois, toujours tu maintiens clic droit. C'est pour ça que j'ai précisé. C'est des trucs que tu prends pas pour acquis. Que je prends pour acquis, mais que tu sais pas de base, je veux dire, pardon. Moins 4. Tu maintiens clic droit et tu spam espace. Tu les pousses, après tu les écrases. Ah. Fais gaffe, 102. Quoi? Tu... Mais c'est pas possible. Tu lui as donné ton dos, c'est pas possible. C'est pas possible. Encore. J'ai vu comment il est mort. Il a donné son cul aux zombies. Je t'ai vu. T'as donné ton cou. Il a cru c'était Twilight. Kamel, il y a du travail là si tu veux. Est-ce que je suis mort? Non, je suis mort. Non, je suis mort. Ah, bon. Trop mourir ce bâtard, ouais. Ouah, c'est un bâtard! Il m'a tué! Kamel, il s'est relevé, viens voir! Ah ouais? Oh, ouais, il s'est relevé, il est là, là! Attends, attends, moi je peux rentrer dans la maison là! Recule, vas-y, je vais te finir! Finis, il s'est relevé en zombie! Je vais rentrer dans le resto là, j'ai trop la dalle! Oh, je vais me régaler, bon, ça! Eh, Bibi, il spawn à West Point cette fois-ci parce qu'on est plus proche de West Point! Vas-y. Il a activé la surbrillance, je lui ai fait activer. Mais là, j'ai pas d'option pour pas qu'il tourne le dos aux zombies. Il y avait un zombie, il lui a tourné le dos. Arrive à dire. Mais tu l'as vu laguer ou t'as juste t'as lagué Non, c'est juste que je pensais que ça allait le pousser quand même, quoi. Parce que j'étais en clic droit dessus, mais j'étais pas... Mais moi, j'ai vu, t'as donné ton dos. Mais après, c'est pas grave, c'est la perspective, elle est différente. T'as pas l'habitude au début et tout. Mais c'était pas un lag en plus. Non, non, là, c'est moi, je... Y'a pas de les ça gars, vous kiffez le live? Vous aimez bien? Ouais, y'a te... Oh, vous aimez bien le jeu, ça va, c'est compréhensible. J'avais un peu peur que les gens fuient parce qu'ils comprennent pas. T'as vu, il faut mettre un peu d'effort pour comprendre. Mais je vous jure, c'est le jeu, il est incroyable. Il est vraiment incroyable, incroyable. Là, je me lave. Je vais laver mes vêtements maintenant. En multi, le jeu, il est 100 fois mieux en vrai. Hein. Il est vraiment incroyable. Imaginez la game où il y a plusieurs groupes. Ouais, le jeu il est vraiment complet de fou. Pour moi, c'est... J'ai jamais vu un jeu de survie aussi bien en vrai. C'est vraiment complet sa mère. Les gars, moi je suis en train de me laver. Et je lave tous mes habits. Je suis dans le restaurant. Si vous venez, s'il vous plaît, faites pas de bruit. J'ai pas encore mangé. Bon. J'essaye de... Bah moi je vais nous transférer vers le fourgon blindé là. Pas blindé, mais vas-y. Tu sais, tunable. Vas-y, vas-y. Moi je dois me nettoyer parce que je suis hémophobe. J'aime pas le sang. Yep. Toi aussi t'as peur du dérapage à chaque fois que tu dis hémophobe. Ah ouais, bah ouais. Je suis hémophobe. Je suis hémophobe. C'est trop dangereux, je connais. J'ai peur du sang. J'ai peur du sang. Faut bien préciser que t'as peur. Faut bien préciser que t'as déjà peur du sang après. De ouf. T'as fait glisser. Ah, tu sentais le Larousse quand tu dis hémophobe. Description et tout. T'es obligé. C'est logique. Frère, ça met 2 ans à tout laver. En vrai, en multi, c'est nul, t'avais raison. J'ai trop. Ah, mais ouais, c'est pour ça. Je vois où vous êtes, c'est tellement loin. C'est pas grave, au pire, si tu meurs, tu regretteras un perso. Mais t'inquiète, t'as respawn à West Point ou pas, Bibi? Non, ouais, pas toi, ouais. Je disais ça à Kamel en plus. Hein. Okay. Voilà, je disais ça à Kamel, pas à toi. Je te jure. Je disais, s'il meurt, il peut choisir un nouveau trait. C'est hématophobe, Kamel. Mais non, dans le jeu, il y a écrit... Hémophobe, ouais, peur du sang. Ah ouais, t'as chaud, tu dis vite et t'es envie. C'est 400 heures de jeu. Le problème avec le fourgon, là, c'est qu'il faudrait que je pète la vitre passager. Donc s'il y a un passager, faut pas qu'il y ait de zombies qui viennent lui caresser le cou. Non, mais au pire, on va tous derrière, hein, à part toi qui conduis. Ouais, aussi, vous restez juste pas dans le siège passager. Ça aussi. Après, je suis mécanicien, je peux pas réparer la fenêtre, je sais pas ce qu'il faut. Si, plus tard, tu peux retirer des vitres d'un endroit et les mettre dans notre fourgon. Ah, j'ai trop avec la mécanique, tu peux tout remplacer, changer, améliorer, réparer. Un peu de cuisine ici. Ouais, j'ai rien à grailler dans ce restaurant. Jacques, le castor, déchet, c'est une peluche ou c'est vraiment un castor? Non, c'est une peluche. Ils ont mis les animaux de compagnie ou pas encore? La build 42, ça sort dans quelques mois, pas tout de suite. Ah, c'est mon rêve, les animaux de compagnie. L'élevage, il va y avoir les poules, les vaches, les moutons. Non, mais surtout avoir un petit chien et tout là, oh là là, mon rêve. Ouais, de ouf. La chasse aussi, ça va être cool. Y'a quelqu'un mais qui un petit chien, dans t'as le raison, restaurant, un compagnon là? Non. T'es seul. Ah,
Ah, mais bouteille de soda à l'orange, ça va me... niquer la soif. Attends, mais du coup, c'est une bouteille. C'est game. Bouteille de soda. Ouais, pour l'avoir dans l'inventaire. Ah, c'est ouais, ça, tu la vides. Je vais la boire. Mais mon perso, il va faire 125 kilos, là. T'es à combien? Je vérifie, faut que je vérifie, mais là... Dès que je vois un truc, je le mange, ça le problème. Moi, je fais pas ça tant que mon perso, il est pas en train de mourir de faim, je mange pas. Parce que sinon, il prend du poids trop facilement. Mais là, je suis en maigre encore, donc faut que je me remplisse le bide, en fait. Non, j'arrive. Ça va, je suis à 79 et je suis en train de perdre du poids, j'ai peut-être maigre. Ah, ok, ouais, t'es bien. Moi, je suis à 69, là. Parce que j'ai commencé maigre. Après, les IMO, c'est des gens comme les autres, ils disent. Attends, j'ai la ref, t'inquiète. Je peux pas sauter ça. Je peux pas sauter un comptoir. Ouais, il y a des trucs qui te bloquent, on dirait que c'est, ça rend certaines pièces inaccessibles. Hein. Ouais, non, tu peux pas sauter le comptoir. Il y a un burger frais, mon gars. Ah, regarde. Incroyable. Ah, la javel, j'aurais été trop heureux avant, mais... Tapette à souris, clé à molette, cadenas. En fait, faut que je vide mes livres, comme ça, je peux prendre des outils, là. Mais t'es là, c'est toi, t'étais dans le restaurant, sale mytho. Non, je viens de rentrer là, il y a 30 secondes. Ah, okay. Mais tout à l'heure, quand tu avais demandé, mec, il y a 5 minutes, j'étais pas là. Ok, ok, ok. Mais il est où le zombie, wesh? Non, mais du coup, je me suis ressali, zébi, lavé, pantalon. Honnêtement, je me demande même s'il peut pas, via le menu admin, t'enlever ce trait-là, parce que ça va plus te faire chier qu'autre chose, hein. Est-ce qu'en tant qu'admin, on peut enlever un trait de personnage? Parce que... Comme ça, tu perds pas ton perso, mais t'arrêtes d'avoir peur du sang, là. Après, il a jamais écrit apeuré, donc... Non, mais ça dérange pas. Juste arrête d'être méticuleux aussi, j'avoue. Juste, au pire, ignore, ça dérange pas. Moi, j'ai tout dans le jeu. Il y a tellement de... Okay. de zombies dans la l'admin ville que peut. Je suis. Ouais, ouais, le West Point, mec, elle est trois fois plus grande. Nabil, bouteille de soda vide ici. Tu gères, merci. Viens, on se déconnecte 2 secondes. Venez, on se déconnecte 2 secondes, les gars, comme ça, vas-y. On redémarre le serveur et on a les armes à feu. Vas-y, je veux des armes. Ouais, retour. Attends, quitter. Faut qu'on change la scène, là, non? Sauvegarder, il y a des astérisques, donc c'est censuré. Retour quitté, hein. C'est bon, c'est sauvegardé. Yep. Vas-y, on va reco. Et du coup, est-ce que tu veux, Kamel, qu'on t'enlève hémophobe, comme ça, t'as pas peur du sang? Vas-y, ça me va. Moi. Ok, je vais dire à Soso s'il peut le faire, sinon je me connecterai en admin. Et au pire, si c'est chiant, on laisse tomber. Pas grave. Non, il doit se connecter en tant qu'admin, liste des joueurs, je crois, puis après ça, il va... Ok, si ça va, il lui dit, secoue, okay, il te mais... l'enlève. Vas-y, c'est Soul Gym, le boss. Combien de temps à relancer le serveur? C'est rapide ou j'ai le temps d'aller chercher 2 minutes, genre vas-y. Vraiment. Ouais, t'as le temps de chercher de l'eau, va chercher de l'eau, là. Vas-y, chercher de l'eau, j'arrive tout de suite.
Ouais, re. Re. Je te dis, c'est serveur à redémarrer. Ouais, t'inquiète. Les gars, c'est bizarre pourquoi vous mettez des petits points. Vous avez fait une teuf secrète et vous mettez des petits points pour camoufler la teuf secrète. Pourquoi vous faites des mecs silencieux? Non, pas du tout. Et pourquoi? Ah, vous jouez au roi du silence? Oui. Du coup, si vous jouez au roi du silence, pourquoi avoir brisé le roi du silence pour me répondre, bande de menteurs? Ah, je vous ai baisé, vous faisiez une teuf secrète. Kamel, il faisait une teuf secrète. Merci, frérot. Ah, merci de me l'avoir confirmé. Sale Poucave, au bûcher Poucave. J'ai menti, les gars. J'ai prêché le vrai pour avoir le faux. Y'a personne qui m'a dit ça. Du coup, si il me poucave, c'est qu'il y avait vraiment une teuf secrète. Je vous ai bien baisé, encore une fois. Je vais regarder la rediff. Et le premier qui a enclenché la teuf secrète, tu vas être ban une semaine. La prochaine fois, il va falloir être plus malin, les mecs. Ouais, maintenant que le serveur se relance, moi je mange. Hein. C'est Dylan, je vais regarder la rediff, moi, de toute façon. C'est Dylan, il, avec en plus des titres de merde, il fait des trucs comme ça. Mange quoi, des pâtes? Non, ça, vous aimez vraiment le jeu? Il vient me rester pour me faire plaisir. Moi, j'attends juste une game où il y a de... Il y a des discussions. Le serveur est on, les gars. Vous pouvez vous connecter. Et ça, Zroko. Yes, sir. Je fais mon assiette. Moi, j'arrive dans 2 minutes. Pas de soucis, prends ton temps. Mais les armes ont été corrigées. On a de nouveau les armes à feu. Et on a un mode là qui en rajoute quelques dizaines, mais réaliste à les années 90. Pas des années... actuel. Mange doucement, les gars, je sais pas. Je suis trop addict au jeu, j'ai envie de jouer sa mère. Allez, c'est parti. Alhamdoulilah. Je vais régaler. J'ai un but de l'eau. Prévenez-moi dans 10 minutes de fermer la fenêtre, les gars. En attendant... ma clim qui est accrochée au mur et avec laquelle je préfère du bruit. Prévenez-moi dans 10 minutes d'éteindre ma clim, j'ai dû rafraîchir un peu la salle. Ouais, heureux. Allez, c'est parti. Yes, on a les armes à feu, ça fonctionne nickel. Ah oui,
C'est bon, t'es connecté? Ah bah, je suis là. Soljin va t'enlever le trait hémophobe, là. Légende. Oh, il y a 3 bouteilles d'eau de Javel. Ouais, je t'ai dit tout à l'heure. J'avais pas réalisé. Je t'ai dit tout à l'heure, j'étais en mode, putain, mon rêve à l'ancienne, mais aujourd'hui, je m'en fous. T'as réussi à truc le... Ah oui, c'est là que tu en parlais et que tu me disais que c'est plus bon comme avant, je réalisais pas, ok. Le Kamtar, tu l'as truc ou pas? Oui, absolument, il est prêt. Avec le crâne. Tu sais que tu vois le nombre de jours qu'on est, on était en vie. Il faut avoir une montre digitale H-Info. Ça fait 2 jours que t'es en vie. H-Info. 1 jour et 18 heures, ok. Je vais aller faire les poubelles, on sait jamais. Tu sais, vu que c'est un restaurant, des fois ils jettent des trucs comestibles. Le sac poubelle, je peux le défaire ou je, il est obligé, c'est genre, c'est un item, le sac poubelle. Le rat. Les gars, c'est en temps de survie, tout est... Bah, un rat mort, cafard, cul. Faut que je boive, que je remplisse ma bouteille. Bibi, t'es à West Point, toi, hein. Ils ont fumé Niski, ces bâtards. T'as trouvé Niski par terre? Ouais, je trouve un rat mort. Ah, je suis mort! Le manque de respect. Ok, lui, il y en a 3. Ah, je m'en occupe, je suis un plein de bonhomme maintenant. Ouais, c'est Mike Tyson ou quoi? Est-ce que t'es fatigué? Non, non, en fait, non, on peut pas non, être fatigué. Non, 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 non. Voilà. T'as survécu, GG. C'est bon, là, je commence à être plus à l'aise. J'en ai même tué un, frère. Mais Kamel, toi, t'as géré, là. T'es toujours pas mort depuis le début, hein. Franchement, GG. Ça fait 3 heures qu'on joue presque. Là, je viens mais il a 3. 50 heures de jeu, frère. Arrête de mentir, j'ai 10 heures de jeu. Je jure, c'est vraiment pas beaucoup. 1 heure seulement. Vas-y, je pensais que t'en avais 30 ou 40. Ouf, ouf, ouf. Là, je te jure, c'est attends. Pas 30 ou 40? Non, non, jamais de la vie. Je sais pas où vous restiez, parce que là je suis en train de tuer 3-4 zombies, t'as vu? Ah, j'ai 17 heures, mais on a joué combien aujourd'hui? 3 heures. On a joué 3 heures aujourd'hui, ça faisait 14 heures. J'avais 13 heures avant, ça veut dire que tu sais, ça a un truc. Ça va 13 heures, j'ai pas cramé le jeu. En plus, le truc, c'est que j'y ai joué une période et je suis pas allé loin. Oh, Nabil, il y a une station essence juste là. À l'opposé. Non, non, juste à ah l'autre. Ouais, t'as raison. Ouais, il y en a juste quelques-uns. De ouf, mec. On fait le plein. En fait, on devrait ramener le fourgon et buter tous les zombies. Tu sais. Ouais. Là, il y a une horde. Eh, hey, mais maintenant que j'y pense, j'ai le giga pare-choc. Là, je pourrais le rôder, l'essayer. Bah ouais. Merci. Là, il y a une horde justement parfaite pour ça. Il y a une horde. Je vais parfaite. Regarder c'est quoi la durabilité de ce truc. Ah, mais regarde vite, sauf. Ah, t'es en train de mourir ou quoi? Non, non, je te ramène une horde là. C'est Bulbar, 44% de PV. Le pare-buff là. Tu veux pas conduire là, vite fait? Si, je conduis. Regarde, viens, je te ramène. Crase-les, Nabil! Mais y'a le poteau aussi, frère! Tu les as mis au pire endroit possible, mais c'est bon, je m'en occupe. Là, il meurt? Ah non, juste qu'il. Non, faut que je leur roule dessus avec les roues, j'entends leur tête éclater quand ils meurent. Ok. Regarde, je les baille tous. Mais c'est trop satisfaisant, tu sais, parce que les véhicules de base, ils sont vraiment pas puissants contre les zombies. Le capot éclate très vite, après le moteur prend des dégâts, et après 10-15 zombies, il est à 0%, le véhicule il roule plus. En train d'attirer. Mais avec ça là, c'est bon. En train d'attirer toute la terre sur nous là. Game Fisher. Il est en train d'attirer tout le monde, je suis dégoûté. Mais j'ai pas klaxonné, tu vois. Ouf. Big ouf. Mais en vrai, j'aurais dû te donner le. Je devrais te donner les jerrycans pendant ce temps-là. Viens, je vais te le jeter, non, je vais voir la fenêtre un, vite un, fait. J'en ai un. Ok, bah remplis-le, mais je te filerai quand même le mien, ça fait 2. Vas-y. Je vais te le déposer à côté, attention. Je vais te le déposer là, hein. Je suis en train de le drop. Vas-y. Là.
Mais tranquille, prends ton temps, prends le pas tout de suite. Hein. Ah, d'accord, je vais refermer la fenêtre. C'est une dinguerie le jeu. Merde, comment je reprends mon arme? Oh. Est-ce que tu l'as en raccourci ton arme? Non. Faut que t'ailles dans ton inventaire et que attends, tu fasses équiper à deux mains. Clique droit, équiper à deux mains. Oh, y a un mec si tu l'as pas dans ton raccourci et que tu peux pas l'avoir dans ton raccourci. Y'a un mec qui est venu me casser les couilles. Remplir le plein d'essence. Non! Oh, ça va, ils m'ont pas vu. Je vais le mettre dans le coffre. Sinon, en vrai, tu peux faire le plein du fourgon. Comme ça, tu fais aller-retour. Même prends le contrôle du fourgon, Kamel. Ramène-le à la station et fais le plein direct depuis la pompe. Comme ça, le jerrycan, c'est en plus. Ah, prends la place du conducteur. Attends, il y avait un troisième jerrycan. Lourd, bien vu. Tu l'as trouvé dans le coffre? Ouais, ouais. Bien vu. Je vais remplir les trois et après, je fais le plein du fourgon. Ouais, vas-y, je m'occupe du plein du fourgon pendant que tu remplis l'autre alors. Allez, boss. Après, y a celui c'est à gauche le réservoir, donc là. C'est un double sens, c'est un double sens. Attends, je vais mettre aussi tous mes livres dans le coffre parce que c'est invivable. Ouais, de ouf, une skin. Je peux rien lire, je peux rien prendre. Gros, il prend tellement d'essence. Je crois que son réservoir, ça doit être aussi un truc de tuning. Parce que je suis en train de le remplir là, je suis même pas à 25%. Il doit avoir tellement d'essence. Il y a un truc vite pour mettre. Ok, ouais, faut que je mette contrôle et que. Ah c'est ça, ok, je suis trop con. Bibi, tu vas bien toi, on demande? Ouais, ça va. Parfait, on va pas tarder, on fait le plein, tout ça, et on vient te chercher direct en fourgon. Oh t'inquiète, prenez votre temps. Hein. Ouvre-moi, je Bah mets... tu vois Kamel, tous les zombies sur lesquels j'ai roulé là, le pare-choc, il est passé de 44% à 41%. Il est hyper résistant gros. Ah c'est une dinguerie. Genre ça protège le capot vraiment là. Parce que le capot il est à 13%. Ça y est, je le dis plus, moi c'est fini, il m'avait complexé. Le moteur il est où? Il est à combien? Oh j'ai trouvé une arme. Il est à 72%, on est large. T'as mis au sol, mais non, regardez, il y a... Ah si, le sol. Ah ouais, bah je suis un bon con. Mais le coffre il a 10 de contenance, c'est normal. Ah parce qu'il est éclaté, ça veut dire qu'il est en très mauvais état. Mais toi avec tes compétences Mad Max, tu vas pouvoir nous mettre un porte-bagages sur le toit. Et ça, ça s'endommagera jamais, t'as vu? Et on peut pas le mettre dans la face, c'est bizarre là pour moi. Qu'est-ce qui est bizarre? Bah j'ai pas de place frère. Ah ouais non désolé, mais monte et mets dans les sièges arrière. Ouais c'est ce que je vais faire là. Mets ton matos sur les sièges. Ah, mais c'est... arrière, genre le sixième siège ou quoi. Moi je prends la crème glacée pour me. Je vais tout mettre dans le siège 4, ok Bibi? Ah mais tu sais qu'on a, on a un camion de dératiseur. Ouais c'est ça, c'est pest control là. Attends, tu parles pas de ce qu'on a déjà? Tu parles d'un autre truc? Non c'est ce qu'on a là. Bah, comment, oui, j'ouvre, comment j'ouvre le tableau de bord? Le tableau de bord pour voir l'état du véhicule? Non pour ouvrir toutes les portes, j'arrive pas à passer Monte en conducteur juste, mets-toi ouais, dans la place conducteur. Je l'ai après... pas, tout à l'heure je l'avais, je l'ai pas là. En bas t'as le tableau de bord, tu le vois plus toi? Non, tout à l'heure je l'avais dans d'autres voitures mais celui-là j'ai pas. C'est pas normal, descends pour voir. Apparemment c'est V, attends. Non, V c'est pour ouvrir le menu radial mais t'as le tableau de bord quand tu montes dans un véhicule en bas. Ouais normalement mais là je l'ai pas moi. Ah mais j'ai un bug. J'ai même plus l'inventaire en fait. J'ai plus rien. C'est normal? Ah non, non okay, c'est pas normal. Une fois sur V, en dehors de la voiture, ok. Qu'est-ce que tu voulais faire pour faire le plein? Non, je voulais remplir ce siège en fait. Sur ce siège, il y a 62 pods, c'est une dinguerie. Ah mais attends, il y a 4 sièges seulement, on en a pas... Je pensais qu'on en avait 6 avec ce fourgon, j'ai rien dit. Bah le siège 4, il est blindé, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est bon, bah, de toute façon c'est pas un problème. Il bloque pas une sortie ou quoi. Ouais, t'inquiète. Je mets tous mes livres on dedans. On se videra quand on aura une base ou quoi. Ouais, bah si vous avez des livres, mettez-les comme... Non, je les ai remis par terre, oh putain. Ça arrive ça aussi tout le temps, c'est pas grave, t'inquiète. Refais.
Mais pourquoi j'ai pas On avait pas encore le véhicule, la possibilité de prendre le groupe électrogène, mais c'est pas grave, on en trouvera plein d'autres des groupes électrogènes. L'électricité, l'eau, on pas encore coupé, hein. Il y a l'électricité. L'eau aussi, je pense. Ça, c'est le sol, ça. T'as réussi à avoir le tableau de bord ou t'as encore ce problème, Kamel ? Non, non, c'est bon, mais le problème, c'est que j'ai pas de capacité dans les sièges, en fait. Mais tu les vois dans les inventaires, dans les conteneurs. Mais ils ont pas les deux autres sièges derrière, c'est ça ? Non, y a pas, c'est ça. Ça se peut, hein, parce que c'est un véhicule modé. Le mec, il a pas pensé à mettre 4 conteneurs. Ça se peut que ce soit ça. Ou alors, c'est une décision d'équilibrage. Il s'est dit, vu que tu peux modifier ce véhicule pour mettre le porte-bagages, eh ben, t'as pas autant de sièges. Bref, c'est un véhicule modé, c'est ça que je veux dire. J'ai une question, si je mets dans le siège 2, on peut s'asseoir dessus ou pas ? Non, si tu mets sur un siège, on peut plus s'asseoir dessus ni rentrer par cette porte. Et d'ailleurs, on a 4 portes, nous. Je pensais qu'on en avait que 2. Mais il y a vraiment 4 portes. Lourd en vrai. Ouais. Ok, bon, bah, je peux pas me vider encore. Ouais, malheureusement, Kamel, on n'a pas les sièges comme je pensais, 6, parce que c'est un fourgon modé. Il en a que 2. Ouais. Mais passe-moi des trucs, moi j'ai encore de la place dans mon sac. Passe-moi, tu peux me passer 5-6 livres, facile. Ah, tu connais le shift-click, tu cliques sur un truc, ouais. Tu descends, tu shift-click sur l'autre truc, ça fait le lien entre les deux, ça sélectionne tous les items entre deux clics. Moi c'est contrôle, moi. Non, contrôle c'est pour additionner des trucs, mais shift-click, okay. Tu cliques sur un truc, tu descends de quelques cases, tu shift-click, ça sélectionne tout ce qu'il y a entre les deux. Bref, un jour tu essaieras. Ouais, t'inquiète, je suis en train d'essayer justement. Ah merde, j'en ai mis un peu trop, je crois. C'est bon, j'ai de la place. Ouais, je suis bien. Je dois, j'en ai encore plein. J'ai encore 14 kilos. Enfin, je suis à 14 kilos sur 20, j'ai 6 kilos. T'as vu ? Moi, je me remplis le vide parce que je suis en dessous des 70 kilos là. Là, il y a des trucs intéressants. Planète de soda, il n'y a pas de la graille ici. Mais il n'y a aucune maison où je peux aller tranquille, c'est une dinguerie. Non, non, en ville c'est chaud, Bibi. Tant qu'on n'a pas d'armes à feu pour commencer à faire les boss, les Rambo là, on est des merdes. C'est la fin du monde, il y a 500 000 zombies dans la map. C'est vraiment pas le jeu où t'es le héros. T'as vu quand tu commences ta partie, ça te dit voici le récit de votre mort. Ça ment pas. Vert en gélatine, c'est de la frappe, non ? C'est des bonbons, c'est comme des Haribo. C'est des. Ouais, c'est des Haribo, Zama. C'est des jujubes, on appelle ça chez nous. Attendez deux secondes, je vais fermer. Ouvre-moi, je vais fermer la fenêtre chez moi. Ok. Après ça, on vient te chercher, Bibi. Ah, je prendrais bien le congélateur ici, là, industriel. Mais ça, on peut le trouver partout plus tard. Je me dis, pour la base, il nous faut un congélateur pour congeler notre bouffe. Mais c'est vraiment pas pour tout utiliser ça. C'est quand l'électricité coupe, quand on a une base. J'aime bien avoir un congélateur comme ça. Pour tout ce qu'on pêche et tout ce qu'on plante et tout. C'est pour mon style, Hugo. Et pour me garder au sec. Pendant qu'il ferme sa fenêtre, okay, voilà. Ah t'es bon, de retour, bon. J'ai pas le temps, c'est pas grave. Je vais juste aller remplir ma bouteille d'eau, y'a rien ici, faut qu'on retourne au restaurant. Ça. Ah si, là il doit y avoir des toilettes. Une clé en croix, ça je prends ça. Ça va me servir de fou, il y a encore un jerrycan, mais je pense qu'on a pas besoin, ça y est, wesh. Je l'avais ramassé le jerrycan que t'avais laissé à terre, je l'ai rempli. Non, non, mais y'en a un autre dans là où je suis. Ah, non, ça va, on en a assez, je pense. Hein. Ah, en plus, moi, j'ai le plein de chez plein, là. 3 jerrycans plus le méga plein, je pense qu'on est bien. Ouais, c'est juste de l'extra, là. Clé à croix, là, je vais commencer à prendre les... Les trucs mécaniques, t'as raison. Y'a quoi ? Y'a clé à croix, tournevis, clé à molette, je sais pas ce qu'il faut. Cric, mais cric, j'ai pas trouvé encore. Attends, je vais faire le magasin de vêtements, là, on sait jamais si on peut trouver des... Mais c'est vraiment juste un magasin de vêtements, hein. Ah, ok, bah, tu trouveras pas genre d'armes ou quoi, il est très thématique. Okay. Je sais, je l'ai déjà exploré lui. Vas-y, monte, on va chercher Bibi. Il est pas loin, il en est juste à côté. Vas-y. On en arrive, Bibi, tu vas voir notre nouveau camion. Ouais, de ouf, il a pas vu. J'espère, il est bien. Moi, j'ai une arme. Après, je prends. Monte en arrière, Kamel, hein, parce que la fenêtre est cassée là. C'est chaud. Ah ouais, moi, je la vois pas cassée. Mais si, elle est cassée, moi, je la vois. Mais en fait, tu sais pas, mais elle est cassée, regarde celle de ce côté là, t'as vu? Ah ouais, je la vois, elle est plus sombre. Et regarde l'autre. Ouais, ouais, attends, par contre, si je veux aller en 3 ou 4, faut que t'arrêtes, faut que je rentre par derrière. Ah, ok, mais tu peux pas le faire pendant qu'on non. bouge. Non, parce qu'il est fermé en fait, c'est divisé en deux. Ah, ouais.